Alors, chers amis, j'imagine que tout le monde est en train d'attendre le rendez-vous d'aujourd'hui, le vrai combat, le combat des coqs, le rendez-vous où tout le peuple congolais est en train d'attendre, le face-à-face Brice Landry Déco et l'honorable député Ydever Mouani. Donc, nous avons fait de notre mieux pour mettre la main sur le député. Nous allons vérifier si notre député est là. Et nous allons prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu notre démarche aujourd'hui. Alors, nous allons regarder du côté de la régie. Si la régie, notre honorable député, M. Ydever Mouani, nous allons vérifier. Alors, on va l'ajouter à la scène. Bon, voilà, OK. L'honorable Mouani, bonjour. Honorable Mouani, bonjour. Ah, Landry. Oui. Mbotelek. Ah, ben c'est bien. Déjà que tu commences en lingala, c'est une très bonne chose. Parce que toi, avec tes hommes volés, quand tu appelles ça, tu as tout un dictionnaire. Donc, il y a bon mot. Il y a pourquoi ça n'a pas dit ma calère ou n'a pas dit. Que tu parles déjà notre langue. Voilà. La première chose, je voulais quand même déjà que le peuple congolais, puisqu'il y a plusieurs informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux, et déjà pour faire le démenti, soit disant que vous étiez arrêté, donc c'est pour donner la confirmation qu'à ce jour, et tout même vous confirmer, vous êtes bien chez vous. Ah, d'accord. Mais tu sais, peu importe les supputations de nos détracteurs. Je suis bien conscient hein, que ceci profite bien à certains, mais n'oublions pas que nous sommes un état de droit ici. Et lors de l'interview du président accordée à France 24, une question lui a été posée sur la détention. Une question relative à la détention d'Okombi et Mokoko pour le journaliste, c'était des détenus politiques. Mais le président avait tout simplement trouvé les mots justes en disant qu'au Congo, personne n'est en prison pour son opinion. C'est pour dire déjà que c'est pas la barbarie ici. Bon, quand je dis ça, je ne pense pas que ceux qui sont en charge de ces questions-là puissent tomber aussi bas. Je ne suis pas quelqu'un qui est face à la majorité, mais je suis membre de la majorité. Et quand je lisais Lénine, Engels et Marx dans la critique de la critique critique à la Sainte Famille, je vous demande de chercher cet ouvrage. Vous comprenez que là-bas, ces penseurs ont parlé de la confrontation d'idées comme source déjà, n'est-ce pas, de réflexion. Oui, nous appartenons à la majorité présidentielle qui, à mon sens, devrait être un laboratoire d'idées où chaque pensée pouvait s'exprimer librement. Et bon, ce qui concerne notre émission ici, il est question de quelque chose qui n'a pas été prémédité, préparé. C'est une causerie privée d'un salon. Et les mots ne sont pas choisis en ce moment-là. On essaie d'ouvrir des parenthèses, on les ferme. C'est juste pour rire. Bon, nous voyons des gens de peu de culture saisir de l'occasion. Oui, c'est vrai que celui qui pose le problème au Congo n'est pas le bon, parce que c'est ma tête, en fait. Les gens manquent d'objectivité, c'est ma tête. C'est ma tête qui dérange, mais sinon, sans chercher à trouver des hiatus pour enfin commencer à nous débiter la vacuité de leurs paroles, mais trouver quelqu'un d'autre
qu'ils posent le même problème. Bon, après, si les gens y remédient, je suis de la majorité, puisque je suis une voix qui porte, bien que n'ayant pas été choisi par les décideurs, mais je pourrais tranquillement prendre le micro et les couvrir de loges. Je pense que le problème ne se pose pas, c'est alors, parce que l'honorable, avant de commencer, oui. On va d'abord commencer par le début. Donc, vous êtes aujourd'hui député de la première circonscription de Moungali, c'est bien ça? C'est tout à fait cela, oui. Alors, donc vous siégez au Parlement du côté de la majorité présidentielle? Tout à fait. Soutien indéfectible du président de la République. Ne fais pas semblant avec moi, tu le sais, que je suis celui qui a toujours... Non, je dis l'opinion. Je dis l'opinion. Excuse-moi, en parlant de toi, j'ai voulu représenter l'opinion. L'opinion me représente comment? On prend même les images des eucalyptus, mais ce n'est pas leurs parents qui sont insultés. C'est ma personne. Est-ce que ces gens-là ont pensé un temps soit peu que ça pouvait faire mal à mes enfants? Mais on était dans une logique politique. Et quand je parle aujourd'hui, les gens semblent minimiser, ignorer ce que je dis. Ça me fait mal, hein, c'est parce que bon, nous avons un peu de retenue. On va revenir. Merci. Oui, on va un peu restructurer les choses. Donc là, vous êtes député de la première circonscription de Moungali et là, vous êtes à votre deuxième mandature, on va dire ça comme ça. Alors, si on parle un peu de votre bilan, vous, en tant que député à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pu faire à l'Assemblée nationale? Ah, d'accord. Bon, pour votre gouverne, c'est vrai que vous êtes loin. Vous êtes très loin avec le froid aujourd'hui qui sévit en Europe. Il est difficile que vous ayez encore la fluidité peut-être dans l'esprit pour aller, n'est-ce pas, fureter dans les rangs de l'Assemblée, tant en commission qu'ailleurs, pour comprendre qui je suis. Oui, en 2014, j'ai produit, déposé une loi portant modification de la Constitution sur le problème des binationaux. Parce que je me dis que les gens, les binationaux occupent des postes, mais ils ne peuvent pas être totalement d'accord avec ce que nous, les nationaux, pouvons décider un jour pour le bien fondé de notre République. En ce moment-là, il faut limiter, n'est-ce pas, leur nomination à des postes peut-être sans un peu, où il n'y a pas d'influence. Bon, la loi n'avait pas pu être recevable. C'est pas parce que ça a été mal écrit, hein. Non, pas mal écrit. La loi a été juste victime du manque de la prise de la loi organique qui s'est fait d'ailleurs dernièrement. Bon, si les gens voulaient faire avancer les choses, puisque je les avais déposé là-bas, on pouvait tout simplement remettre ça en place et puis qu'on en débatte. Bon, les gens ne veulent pas ce genre de débat. Bon, c'est pas moi qui dirige. D'accord, donc on va résumer. Donc aujourd'hui aussi, pour ta gouverne, j'ai déposé une loi là-bas portant régulation, n'est-ce pas, du métier de transporteur. Parce qu'aujourd'hui, les Kinangaï, Tokeneto, Zonga, si tu passes à Brazzaville, tu roules à Brazzaville, Soko, Kangi, Mote, Maté, tu peux descendre et puis commencer à taper les gens. Les gens, je ne sais pas s'ils ont des permis, mais ce qui se passe dans les rues de Brazzaville, c'est à peine croyable. Tu es prioritaire, mais quelqu'un vient, force le passage, tout ça. Mais face à ça, ça s'appelle quoi? On ne peut pas le dire, voilà. Donc, j'ai déposé la loi. Oui. Comme toujours, je n'ai pas une connaissance encyclopédique. Donc, je me suis entouré de quelques sachants, n'est-ce pas, des gens chevronnés, des juristes chevronnés pour essayer d'élaborer cette loi. Et je l'ai déposée.
Bon, avec mon jargon, je pourrais tant mieux que mal essayer, n'est-ce pas, de leur dire mes motivations, pourquoi cette loi. Bon, donc, il y en a aussi une autre qui arrive sur la protection des usagers. Donc, on en est là, les Kinangayo, mon chauffeur, azo même à taxi ou quoi, azo me la cigarette nakati, azo lia biloko nakati, tout ça, c'est pas divers, ça doit, à un moment donné, za bureau, moutou, donc, azaka na malchance, azo taxi na yo pour subir tout ça, à koukou kangane penanzela, abibano solana, baningane vazo beta dame, bon, tout ça, et bon, à koukou kangana katika tianzela pour prendre un client, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et quand ils devaient dire ça, après constatation de ces faits, mais bateau faux, à un moment donné, tous à la capée réaliste, tous à la naissance et la responsabilité. Et puis bon, tout qu'il à l'essentiel, je n'ai rien contre ces gens-là. Hein. C'est des gens, pour la plupart, tous à la gana bango, mais c'est pas comme ça qu'on gère un problème. Première question, est-ce que c'est Idever qui a mis ça sur les réseaux? Non. C'est peut-être leurs services qui ont subtilisé la chose et subrepticement déposé sur les réseaux sociaux. Bon, moi j'ai suivi les trucs, j'en ai pas fait de commentaires, mais tu as vu comment ça a été, quand ça a commencé à être tiré à dire. Bon, on est venu recadrer. Bon, on a essayé de tempérer les gens. L'honorable Moani, l'honorable Moani, d'accord, ok. Nous partons sur le fait que les deux mandatures, bon, puisque celle qui est en cours aujourd'hui va aller, ça fait déjà pratiquement plus de 2 ans que vous êtes là. Donc le bilan, zéro loi proposée à l'Assemblée nationale et votée, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai suivi quand même, avant de parler du côté sécuritaire, parce que c'est celui-là qui vous intéresse aujourd'hui. Vous êtes député du peuple à l'Assemblée nationale. Et dernièrement, dans vos envolées lyriques, vous avez dit que vous êtes du côté du peuple. Donc, vous êtes représentant effectivement du peuple à l'Assemblée nationale. Puisque vous êtes le représentant du peuple, combien gagne un député? Est-ce que, bon, dernièrement, avant de dire ça, on va partir méthodiquement. Le réseau n'est pas bon. Hein? Ils ont un problème de réseau là-bas, va studio Navango, Nava Biloko, Bélé, Bélé, Bélé. Oui, il a un problème de réseau. Hein? Ça passe là-bas. Mais je ne comprends pas ici pourquoi ça ne passe pas ici. Hein? Ah, mais on a un problème. Hein? Moi, c'est tout chez eux Chez eux là-bas. Ah, d'accord. Ah, ils ont un problème. Et pourtant, d'habitude, ils font des émissions, il n'y a pas de problème comme ça. oui, mais là, Bon. là, c'est, Ah. on va dire que c'est la connexion de chez vous. Ils sont en train de pirater chez moi ici pour qu'il n'y ait pas émission. Bolingo, ça. Pourquoi pirater depuis Naparea? Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous êtes plein. On va aller rapidement. Vous êtes plein. Mais comment il y a des gens? Je suis en direct et les gens appellent. Vous êtes plaint que ça fait 1 an que vous n'avez pas de salaire. C'est ce que vous confirmez. Oui, Honorable. vous me suivez là? Non, oui, on vous suit. Je demande Bien. tout simplement, vous avez Non, dit, mais oui. pour mais ce n'est le secret de personne. Les D'accord. députés ont connu des arriérés de D'accord, salaire. ok. Vous allez développer après. Cet argent pour nous, les enfants, Monsieur Moigny, pour nous, les orphelins, ça pouvait nous aider.
Honorable, vous allez développer. Donc, vous avez des arriérés, mais entre-temps, si vous avez des arriérés d'une année, cela signifie que les autres mois, on vous a payé. Est-ce qu'aujourd'hui, devant le peuple que vous revendiquez, vous, que vous êtes du peuple, pouvez nous dire combien vous gagnez, vous? Le député gagne 3 millions et quelques. 3 millions et quelques. Plus peut-être 3 millions rajoutés pour se faire soigner, le téléphone, le carburant et autres. Mais sinon... D'accord, vous êtes à 6 millions. Voilà. D'accord, vous êtes à 6 millions. On a compris. Vous êtes à 6 millions. Puisque vous êtes l'homme du peuple, le savez-vous combien coûte le SMIC au Congo? Je vous le donne, hein, ça sera plus simple. Il est à 50 400 francs CFA. Vous, étant que le représentant du peuple, vous gagnez 6 millions. Et lorsque le citoyen, l'infirmière gagne 50 000, vous vous situez de quel côté? Avez-vous déjà fait une proposition ou pour interpeller le gouvernement pour parler de la revalorisation des salaires? Tu sais, mon jeune frère, on ne va pas se leurrer ici, hein, se voiler la face. Il faut savoir que la responsabilité ne peut être partagée. OK? Donc, c'est vrai aussi que dans la recherche de la liberté, la responsabilité est un prix. OK? Bon, en communiquant que je suis, je ne sais pas si vous voulez ici que je me substitue en lieu et place des ministres de finances, pour essayer de commencer à parler macroéconomie. C'est pas moi qui décide. Je ne suis que comme toi. Et d'ailleurs, puisque je l'ai dit, j'ai fait 3 mandats pour apporter un rectificatif à ce que tu venais d'évoquer. Je suis à mon 3e mandat. Hein, le 3e mandat, qui pourra peut-être arriver à son terme en 2027. Et pour te dire clairement que je n'étais pas venu en politique pour l'argent, je ne me représenterai plus. Et je serai peut-être loin de tout ça. Mais on va accompagner le président. On va accompagner le président pour qu'il essaie peut-être une fois s'il corrige le tir et puis nous allons l'accompagner, c'est tout. Mais ça ne m'intéresse plus, moi. Moi, il devrait, ça ne m'intéresse plus. Et peut-être les gens trouveront la paix de savoir que je suis nulle part, je n'ai pas de titre, je n'ai rien. Et comme ça, peut-être, ça arrangera certains. Mais j'aurai en ce moment-là ma liberté de parole et c'est ce que les gens doivent faire attention. Ah, donc, voilà. Je ne sais pas si tu me suis, parce que apparemment tu as des problèmes là-bas. Ah, tu as des problèmes de connexion. Je croyais que la France était un État développé où on ne pouvait pas avoir de problème de connexion. Mais... Non, mais là, aujourd'hui, vous avez décidé. D'habitude, c'est au Congo, Brazzaville, mais là... Il y a un problème avec ton réseau. Il y a un problème avec ton réseau. Tu as un problème. Bon, je ne sais pas si on ne peut pas ajourner cela, attendre peut-être un jour, prochainement, quand je serai de passage à Paris pour que on puisse se mettre face à face et essayer de parler de la vie politique en général.
Ah là là. Il a un problème avec son réseau. Il a un problème. Il a un sérieux problème avec son réseau. C'est le réseau, c'est le réseau d'Obara qui est arrivé ici, là, en train de pirater mon téléphone, mon ordinateur, voilà. Mais bon, on va y arriver. C'est mon grand. Hein? Bon, c'est vrai, c'est mon grand, hein, Le comme on vrai dit, la moment perfection. de la... Le parfait n'est pas humain, sauf que les gens ne D'accord. comprennent pas. Le Honorable, parfait n'est pas honorable, humain, oui. honorable, voilà. La Oui. question posée était celle-ci. Puisque vous reconnaissez, vous gagnez à pratiquement 6 millions, bon, on va arrondir à 7 millions, au moins ça, tous les Congolais le savent maintenant. Et le citoyen lambda, une infirmière qui gagne 50 000, je vais demander si vous étiez choqué. Et si vous l'étiez, apparemment, c'est ce que vous avez répondu, vous étiez choqué. Alors, en aucune fois, on vous a vu à l'Assemblée nationale porter ce sujet ou interpeller, comment on appelle ça, Non, le gouvernement sur la question. non. Je ne veux pas ici paraître comme la victime de mon propre quiproquo. Non. Il y a besoin de dissiper le flou qui risque d'entretenir l'ambiguïté. J'ai pas dit que j'étais choqué par rapport au montant que tu penses ou tu trouves plus élevé. Non. Je dis que c'était même pour le volume du travail effectué par le député, c'était peut-être trop petit, mais je ne le dis plus pour moi parce que je ne serai Non, plus est-ce à que l'Assemblée. Je le dis pour d'autres. le Parce que moi, différentiel, voilà. Non, je m'appuie sur le raisonnement du président Félix Antoine Tshisekedi. Pendant sa campagne, il a dit que le député fait beaucoup de choses. Mais avec quoi? Mais il a ramené le salaire de ces députés à 33 000 dollars. Donc, voilà, en France, les députés gagnent combien? Pendant qu'on parle ici, j'ai des oui. amis, ils sont députés à l'Assemblée française, ils sont en train de se Oui. suivre, je ne sais pas si tu vois, et il y Je a peux vous d'autres qui donner. sont Non, les non, honorable, vice. honorable, honorable, on Donc, va laisser. Non, non, mais ça vous peut se parlez de la vérifier. ratio. Non, la ratio, celui qui Ouais. gagne 50 000 et vous qui gagnez 7 millions, est-ce que vous n'êtes pas choqué pour me dire que les députés en France, je vous donne le montant, les députés, ils Ouais. gagnent Mais 8 000 euros. Et les députés, je 8 000 ne euros, sais pas, ici, c'est égal le SMIC à 1 500 euros. je ne sais pas pourquoi allons-nous végéter sur ce problème qui touche au salaire des députés. Il y a des vrais sujets. Ça, Ah, c'est, tu celui-là, c'est un sais, bon sujet. j'arrive, j'arrive. Oui. Il faut deux fois savoir que quand il y a des enjeux, il n'y a plus jeu. Face aux enjeux, il n'y a plus jeu. Donc, Voilà. On va dans le ici, pot à matasse, voilà ton ici, bousingaï, non, comme bousingaï on a dit. non, je te le Oui. dis, parce Oui. que ici, nous ne sommes pas dans un débat sémantique. Ici, nous sommes là en train de nous entretenir pour peut-être essayer de lever l'équivoque sur une question aussi sensible qui touche directement la vie de nos concitoyens. Et moi, le responsable que je suis, je te l'ai dit, que je ne suis pas venu en politique pour l'argent. La preuve, je ne veux même plus me représenter. Mais je vais animer mon parti et réfléchir sur les problèmes du pays. En restant soutien du président. Bon, sauf si le président dit, ah non, 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 tu n'obéis pas aux règles établies par la majorité, donc on veut plus de toi à la majorité. Je verrai, dans la mesure du possible, comment créer un nouveau courant, juste pour dire les choses. Bon, maintenant, s'il faut faire juste la sémantique pour la sémantique, ça ne m'intéresse pas. Merci. Voilà, le réseau. Le réseau, sans réseau, a toujours un problème. Bon, je ne sais pas si... c'est...
Même lorsque je passe sur le téléphone portable, ça fait... Non, mais le problème sur... Honorable Moani, le problème, oui. On parle des problèmes de... Et nous allons parler de la sécurité, ne vous en faites pas. On parle du problème, c'est-à-dire que là où il est criard, que tout le monde vous voit et que vous êtes incapable de vous parler de ça, aujourd'hui, vous parlez d'un problème d'insécurité au Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien, devant l'opinion nationale, tout le monde a entendu ce que vous avez dit, et si vous réitérez vos paroles, ce que vous avez prononcé dans les audios que nous avons suivis, qu'il y a un problème d'insécurité. Si oui, alors qu'est-ce qui manque au député Moani, puisque c'est le gouvernement qui a failli, le ministre de l'Intérieur, il est dans le gouvernement. Pourquoi vous n'avez pas jamais eu le courage de déposer une motion de censure pour sanctionner ce gouvernement au lieu de venir faire le petit numéro dans les audios ou bien appeler quelques journalistes? Mais c'est à l'Assemblée nationale là-bas que vous devez parler. Pourquoi à l'Assemblée nationale? Vous l'avez constaté. Vous savez, vous semblez avoir la compréhension de la langue française. Mais il faut faire attention au sens des mots. Je suis venu faire le petit numéro. Mais Le petit numéro que vous avez fait dans les audios. Je parle là, tous les Brazzavillois de notre génération savent, depuis les années 60, 78, 80, nous avons fait les boudes dans la rue. Attention, tu parles à quelqu'un qui est outillé. Donc, quand tu emploies les mots, bon, heureusement que ce n'est pas le but, mais tu ne peux pas dire petit numéro. Je ne suis pas un magicien qui vient faire ses prestations en faisant des numéros. Je suis quelqu'un qui a été forcé, parce que je m'étais décidé de ne plus parler, qui a été forcé, ramené dans l'arène médiatique. Et les gens, comme dans leur habitude, ils minimisent toujours les gens, méprisent les gens, ils ont cru avoir affaire à un petit rien, mais la preuve, vous l'avez sous vos yeux, que c'est l'opinion internationale, c'est tout le monde aujourd'hui qui s'est dressé en bouclier pour ma personne. Mais Dieu merci, Lekinangaï, je suis sorti des entrailles de M. Sassou, et ce que je pose comme problème, je n'ai rien inventé, tout est pêle-mêle sur la toile. Et je vais te dire, il y a le grand frère Mirassa, tu t'en souviens, pendant l'élection présidentielle, il a parlé à RFI, me traitant de tueur, parce qu'ils étaient avec le général Mokoko dans l'hôtel La Rosette, dont j'avais l'habitude de séjourner. Mais qui aujourd'hui essaie d'approuver mes propos avec preuve? On va parler du problème qui nous unit aujourd'hui, c'est le problème sécurité. S'il faut que tu me coupes à tout moment, je ne sais pas quel est l'intérêt. Il n'y a pas de numéro. Je ne l'ai pas cherché. On m'a ramené comme de force dans l'arène, mais je ne suis qu'un être humain. Je suis peut-être pas membre du système qui cautionne tout ça, mais je suis libre de penser et libre de mettre l'accent sur ce qui ne va pas bien. Bon, maintenant, si les gens manquent de la hauteur pour rentrer dans le caniveau, je ne fais pas des débats de caniveau et je ne fais pas des débats sur ma personne. Je ne cherche même pas à me poser comme je ne sais pas qui passe, je serai toujours suspendu à la volonté du président de la République. Jusqu'à preuve de contraire. Je n'ai pas encore fait une déclaration comme pour dire que je deviens son opposant. Non. Je suis son soutien. Et c'est comme on dit quand on était tout petit, on apprenait le français, on nous disait que c'est de la contradiction que jaillit la lumière. Mais pourquoi les gens n'aiment plus être contredits? D'accord, merci. Bon, moi je suis la voix des sans-voix, donc je vous rapporte ce que le peuple demande.
On a entendu ce que vous avez dit, donc inutile de revenir là-dessus puisqu'on a beaucoup de questions peut-être à vous poser, mais on aura l'occasion de le faire peut-être à la fin du mois lorsque vous serez à Paris dans les studios de Ziana TV, vous viendrez en long et en large, on va débattre de toutes ces questions, donc vous avoir un petit moment, et ce petit moment, on va quand même essayer de placer les mots du peuple congolais. Ici, vous l'avez dit et vous le revendiquez, vous êtes un soutien du président de la République. Lorsque vous vous attaquez au ministre de l'Intérieur, au directeur, à la direction, bon, enfin, au ministère, on va dire, c'est pas un problème de personne. On va parler, lorsque vous attaquez sur le ministère de l'Intérieur, à la direction générale de la police, alors qu'on le sait très bien, ce monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, il les nomme. Lorsque vous les attaquez, est-ce que ce n'est pas le président de la République que vous attaquez? Ah, d'accord. C'est vrai, pour des gens qui font abstraction à la réflexion, ils peuvent dire ça. À mon niveau, tellement j'ai des cellules grises, je ne vois pas en quoi j'attaque la République. Non, le président de la République. Non, représente. Reformule, dit plutôt que en attaquant, en posant ce problème, puisque en fait je n'ai attaqué personne, j'ai juste posé le problème. En posant ce problème, j'ai touché, j'ai mis le doigt à l'endroit et à bon droit, et ça dérange tout un système. Mais le système là, c'est quoi? C'est des gens avec leurs petits qui ne pensent même plus au peuple, qui peut-être par leurs agissements ne protègent même pas, parce que c'est pas parce que Moani le dit aujourd'hui, hein. Je veux me retirer si ça continue, parce que j'ai vu, moi étant qu'élu du peuple, j'ai vu comment la vague du peuple monter et se dresser contre le président. Mais en 2026, je pense qu'on veut aller avec lui, non? Est-ce que cela le sert ou c'est contre lui? Et en ce moment-là, moi, je vais laisser ce peuple-là se dresser contre lui? Non. Si les gens ont d'autres préoccupations, mon cadet, j'étais triste. J'ai vu même des gens avec grade, machin. Je ne veux pas les citer ici parce que pour moi, c'était trop bas. Je ne sais pas, est-ce que même ils comprenaient pourquoi ils venaient parler. Venir défendre, tirer sur un honorable qui dit juste la vérité. Et pourtant, je vois ici, même tu es journaliste sur le net, on voit tous les jours comment on tire sur le président, on le salit, on fait des choses. Je n'ai pas vu ces gens-là faire des vidéos. C'est moi, Edever, qui faisais des vidéos et tu sais combien j'ai été vilipendé pour prendre la défense du président. Donc, au bon sens, j'appelle les gens au bon sens, qu'ils comprennent tout simplement que Edever est avec nous. Je n'utiliserai jamais cette opinion contre le pouvoir. Bien au contraire, ils ont compris que je suis soutenu, j'ai des gens, mais je veux peut-être petit à petit ramener ça toujours derrière le président. Mais en espérant que les choses changent. Si ça ne change pas, bon, le système, chacun veut veiller à son beefsteak, je veux m'en aller. Tu sais, il m'a été partagé une expression, je le cite ici. Qu'il nous soit donné de voir à l'aurore l'horreur arriver. Quant à moi, impatient, je m'en irai. Ok. Député de la République, je vais paraphraser, c'est-à-dire que dire ce que vous avez dit. Lui, yazo kansamindoko azanabi yewa nabiso petozali nango batope bazali. En tant que honorable, est-ce que vous regrettez ces propos ou vous affirmez que vous avez les armes et que vous pouvez je le regrette dans la mesure où c'est quelque chose qui se passait ici dans mon salon d'ordre privé. On dit, mais qui ne le sait pas aujourd'hui, qu'il y a des armes qui circulent partout? Qui ne le sait pas? Très bien. Mais attendez, mais ayez quand même le niveau.
Nous avons vu dernièrement à Gamboma un clown après avoir commis son forfait, s'ils sont allés boire là-bas. Il a failli abattre un officier de la gendarmerie. C'est moi qui lui ai donné l'arme là. Mais non, mais soyons sérieux, n'ayez pas la mauvaise foi. D'accord. Oui. Si les gens veulent subjectiviser le débat parce qu'ils ont peut-être leur poste à défendre, je le conçois. Mais qui ne cherche pas à me diaboliser. Très bien. Parce que les armes ici au Congo, il y en a de partout. Très bien. Si vous voulez, vous me mettez la caméra. Les gens qui m'appellent pour me vendre les armes, mais le nombre numériquement est incalculable. Mais où est-ce qu'ils prennent ces armes-là? Mais attends, c'est pas moi. Mais pourquoi les gens, c'est comme ça. Écoutez-moi, soyons sérieux. Le président de la République, c'est quelqu'un d'un certain âge aujourd'hui. Il a besoin des gens qui lui disent la vérité. Ne venons pas ici en meute pour cacher la vérité. L'homme qui circule ici au Congo n'est pas au courant de ça. Qui n'est pas au courant de ça? Et quand ils font mal, ils ne parviennent pas à contenir l'insécurité. Mais ces armes-là, un jour, peuvent se retourner contre nous. Donc, je n'ai pas le droit de me plaindre. Je n'ai pas le droit. Parce qu'il y a des gens qui sont préfets, ils sont ministres, ils sont maires, ils sont ceci, par le même. Donc, la corporation veut me faire taire, moi. Et demain, puisque je vois la vague monte, mais vous faites les sondages d'opinion, non, sur tous les réseaux. Est-ce qu'un pays peut être comme ça? Moi, je ne suis qu'un individu. Regarde comment Asie, et Amérique, Europe, Afrique, tout le monde est dressé contre eux, derrière moi. Vous pensez que c'est sérieux, mais il faut agir rapidement. Je suis de la majorité. J'ai tiré sur la sonnette d'alarme. Il faut agir pour que ce même peuple comprenne. Ah, président Nabisso Aza Vieté, il comprend les choses et on est parti. On peut encore lui faire confiance. Mais si vous ne faites pas ça, attends, même si je parle aujourd'hui, si on change les choses, moi j'aurais quoi? Dites-moi, j'ai tout fait. Vous avez vu comment j'ai bataillé pour changer la constitution. Je suis le premier à rentrer dans la Bouenza. Personne, tout le monde avait peur. Je suis allé là-bas pour convaincre et obtenir de ces jeunes leur appartenance, leur approbation au changement de la Constitution. J'ai eu quoi? Mon parti a eu quoi? Mais j'en ai pas fait un problème. Je continue mon combat politique. Mais attendez, quel est le procès qu'on veut me faire à moi, Idevert? Je l'ai dit, ne tirons pas à U et à Dia. Je suis de la majorité. Soyez à l'aise avec moi. Suscitons le débat. Créons des conditions de débat entre nous en les termes. Et je suis conscient que une homélie ne peut pas être lue dans la rue. Il y a bien une chapelle, c'est à la messe. Mais c'est pas à moi de me substituer en prêtre pour lire cette homélie. Soyons sérieux. C'est tout. Que les gens prennent juste la hauteur et comprennent le danger qui nous guette tous. Soyons sérieux. Oh, mais vraiment. Et puis quand on dit ça, on va chercher à parler. Et qui parle? Qui parle? Qui parle? Donc, parce que j'ai dit ça, je deviens... Mais non, détrompez-vous. Je ne fais détrompez-vous que les gens se détrompent. Ils ne peuvent pas m'emmener dans leur camp. J'ai mis le doigt à bon droit et à l'endroit pour protéger le président et changer les choses. Mais non, n'en déplaise à certains, mais qu'il ait l'élégance tout simplement de l'accepter, de comprendre. Très bien. Voilà. Ok, très bien. Puisque vous l'avez dit aussi, moi, ça dit qu'à travers vos audios, vous les avez traités d'incompétents et vous avez prôné aussi vos compétences. Hosanna Mayele, Olikina Bango. Bon, imaginons le scénario. Le président de la République vous appelle au poste de ministre de l'Intérieur. Quelles sont les mesures immédiates au Kokigozoa? Non, mais il faut le dire, puisque tu veux bien ce poste-là, c'est lorsque tu critiques. Donc, vous voulez bien ce poste. Imaginons, même si vous ne voulez pas, puisque vous avez des idées.
Moi, cher Kadé, je t'aime bien. Je sais que tu es quelqu'un libre de penser, tu as un esprit ouvert, mais ayant la capacité analytique, hein, de comprendre la substance de ce que nous disons. Je n'ai pas mis ça, je ne mets pas l'accent là parce que je cherche le pouce, sinon j'allais appeler les gens en conférence de presse. Mais c'est une analyse, une causerie qui, là où vous m'avez appelé, et je suis dans mon salon avec les gens de mon parti. Nous commentons, nous faisons des commentaires et je reçois plusieurs coups de fil à propos. Et quand j'analyse, c'est dans mon salon. Mon intention, ce n'est pas de rendre ça public. Tu es venu me chercher dans mon salon, c'est avec mon accord que nous parlons ici. Mais, de quoi nous parlons? Je ne le dis pas pour avoir ces postes-là. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne le dis pas contre eux. J'ai posé le problème de la sécurité. Mais et puis, je ne l'ai pas formulé comme ça. Attends, à mon niveau, je suis quand même quelqu'un d'assez réfléchi avec ma petite connaissance. Je sais comment articuler les choses. Je ne peux pas dire qu'un à l'équipe, je n'ai pas cette prétention. J'ai tout simplement dit que nous les avons acceptés longtemps. Mais après évaluation, on se rend compte que comme ils ne parviennent pas à contenir l'essentiel, ce qui nuit à notre bien-être, alors je pense que peut-être, parce qu'ils sont là-bas, ils ne sont pas aussi plus intelligents que nous. Donc j'ai posé le problème en termes de relativité de l'intelligence, qui est facultative. On ne peut pas faire de ça un procès pour dire que Nganaza plus maïel que Bango. Mais je suis un acteur politique, mon cher Déco. Je suis chef d'un parti politique. Je suis député. Cela veut dire que je débat. Moi, je n'ai pas connu Alain Mabakou aujourd'hui. Le club qui me pointe en 2013, le docteur, l'avocat Bayonne sont là, ils sont venus. Tu vois, à la gare du Nord aujourd'hui, là où les Congolais vont boire, c'est moi qui ai créé ce QG-là. Je les ai reçus là. Nous avons débattu. Le vieux Marc Mapingu a dit à M. André Konza, un ancien banquier congolais, frangin aussi, ah, lors d'une rencontre de la Fraternelle et du Tikatikaya il dit, ah, mon frère vient, invite le petit là, il va boire avec moi. Ça soit encore des gens comme ça. Mais nous faisons profil bas, tu me connais, je suis pour moi sympathique, humble. Je n'aime pas parce que c'est le système voulu par le président. Mais nous avons les mots pour le défendre. Que les gens ne blaguent pas. La force de la verve, c'est ce qui caractérise le politique. Donc, qu'on ne vienne pas me faire les faux procès. J'étais en train d'analyser quelque chose. Je le regrette malheureusement que les choses-là se retrouvent là-bas. Mais si c'était circonscrit, je ne pouvais pas. Si c'était quelque chose de réfléchi qui devait être mis comme ça, je ne pouvais pas avoir à employer soit certains mots. Mais pourquoi les gens oublient que l'erreur était inhérente aux hommes? Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis pas parfait. J'ai mes défauts et mes qualités. Nous sommes tous en proie dans ce monde de cette dualité-là, où chaque chose a son opposé. Autant vous pouvez me traiter de tout, autant reconnaissez aussi mes qualités. Mais mon frère, je ne veux pas ici que les gens, dans leur façon de chercher à travestir la vérité, puissent me taxer de sinistrose. Je te le dis, je ne suis pas frappé de sinistrose. J'ai juste dit quelque chose. Tu sais, je voulais qu'on parle plus large. Avoir des sujets dont le spectre serait plus large prochainement. Mais comme tu avais déjà fait la publicité, je dis, on va échanger. Si ce n'est que par le français, là, si c'est le français qui intéresse les gens doivent comprendre que j'essaie d'expliquer ma pensée par la langue que tout le monde entend. Je parle lingala, je n'ai aucun complexe pour ça. Naloba lingala, naloba munu kutuba, naloba français,
mais je suis cohérent parce qu'il s'agit de quelque chose quand même de sensible. Motema mabe ponanini. Motema mabe pourquoi? Mokondi. Aïe kolobela biso. Tango à réunir mission sur l'état de la nation. A lobina biso ba parlementaire. To veiller. To contrôler. Action. Il va encore plus loin. Et pas ba magistrat. Mokondi amboka lobina bango rigueur. Et biloko tuane sokweya. Et les gens viennent pour protéger leur poste, commencent à vouloir envoyer des gens irréfléchis. Mais c'est ça. Honorable, on a bien c'est entendu. Mboka n'a bien sûr Koufa, parce que Bakibazo est entouré, n'a pas fanatique. Honorable. Les gens ne réfléchissent plus. Honorable, Mboka n'a bien sûr Koufa, Ezo Koufa. Mais comme Yoboyo remplacé Mboulou n'a pas sa ministère de l'Intérieur, c'est la bonne question. Yoboyo pour remplacer. Maintenant, Wapi conseil yo Koko Pesaye parce qu'il a échoué. Toi-même, tu l'as dit, il y a l'insécurité, il n'y a plus la paix au Congo Brazzaville. Ça, nous le voyons avec les bébés noirs. Mais bon, je vais peut-être choquer beaucoup de gens. Vas-y, c'est le but. Je vais choquer. Est-ce que les gens savent que du côté maternel de ma mère est à la fois de la cuvette et à la fois du plateau? Le trône que là où on m'a consacré, là. Moi, je suis notable, hein. Je suis pas un petit qui dit des choses à volo. Est-ce que vous savez que le village, le grand frère Mboulou, a aussi un côté Mboshi? Et dans ce côté-là, nous sommes du même axe. C'est moi, le notable de cette contrée. C'est mon parent. Il est mon cousin. Et alors, c'est quoi le lien? Non, le lien? Non, j'arrive. Il est mon parent. Donc, je n'ai pas l'intention de le nuire. J'ai posé le problème de l'insécurité qui n'est pas contenu par la sécurité. Et quand on nomme le patron de la sécurité, c'est lui. Et si je le dis, si je vous ai dit nos liens, c'est pour vous dire que je n'ai rien contre lui, mais la République m'oblige à un moment donné d'être impartial, juste. Et c'est pourquoi je pose ce problème. Je comprends que ça dérange, mais ce n'est pas sans intention de nuire. Ce n'est pas ça le but recherché dans ma démarche. Donc, quand les gens, tu me poses la question, bon, maintenant, pas peut savoir poste, voilà. Je suis non, un acteur politique. Non, yo, proposer Siko Nini. Parce que c'est, en plus, mais, si c'est ton parent, qu'est-ce que tu nous proposes de faire? Tu sais, la meilleure façon d'être ridicule et détesté, c'est de calculer les choses que l'on fait à son propre et chercher à en tirer profit. Moi, je suis en train de, je veux juste, si le ministre Mboulou va changer aujourd'hui, prends les mesures. À la brigade canine, tant que ce soit ma patrouille, ma jeune, la bisson, la boutou, les coulounes là se cachent et on passe, on les voit pas. Mais avec les chiens peuvent aller les dénicher. Et nous, on vient constater les matières, on les emmène en prison. Va sécuriser Mboka. S'il fait ça, les Kenanga, Nago Bengo, tu reçois l'émission, je serai le premier à l'encourager. Je veux juste qu'il y ait la sécurité. Que ma policier ba nanzela, mais les kinanga obima kananzela te. Soit voiture, kozala na ba motard te bangba kan ba motard, ba tambo la bangou mokon ma voiture banalisée. Mais tu auras mal à la tête. Les policiers ne font plus leur travail. Il y a des petits dans les réseaux sociaux qui parlent. Mbote yalikasu, tu sais? Ça m'a même fait rire. Mbote yalikasu, j'ai pas compris. Donc, les tchakoku là. Mais attends, on est où? Moi, j'ai vu, moi, je me suis arrêté, croisement marien, Ngwabi, trois martyrs. Un sujet ouest-africain, na moto sans casque, police routière, un adidon, je parle là, ils m'entendent tous. Je me suis arrêté, je les ai engueulés. J'ai dit, quelle est l'image que vous donnez de la police? Parce que quand il y a un boy, quand il y a une voiture, il y a une voiture, il y a tout un moto, il y a un vélo. Ce que nous avons tout à fait, nous avons un problème. Mais tout ça, c'est quoi? Parce que lorsque vous prenez les 1000 fois les 500, vous vous rabaissez devant ces gens-là.
likambuyali ya kokanga ko mema na poste amonde ya makasi. Ça devait dissuader les gens. Tu as la sérieux. T'as la bana bago sala meno ba taxi moto na mboka na biso Congo. Attendez, oui, mais si il y a prévenu que des ordres des autres côtés na mboka. Taxi moto. Oyebi bangote ba étranger ba nin ba yebi code de la route te. Mais il faut les voir. Donc ce qui devait rendre bien, c'est lui le responsable. Non, personne n'a dit, honorable, personne n'a dit que vous étiez le responsable, mais sauf que vous ne touchez pas, et vous partez pas jusqu'au fond. Tout à l'heure, lorsque je vous ai posé la question, lorsque vous attaquez le ministre de l'Intérieur, où vous pointez du doigt les faiblesses du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que l'insécurité qui règne au Congo et que c'est le président de la République qui les nomme, et si le président de la République le maintient toujours au pouvoir, pourquoi vous adressez pas directement au président de la République bien, là, il faillit. C'est ça? Je vais te faire une confidence. Allez-y. Mon grand frère, père à son âme, Albert Onyangé, quand il a posé sa candidature, j'étais à Paris. Je l'ai appelé, je l'ai dit, Yaya, ne fais pas ça. Attends, moi, j'arrive. J'ai demandé à ma grande sœur Brigitte Oba, mon grand frère est jeune Oba. Vous avez la proximité avec, appelez Yaya. Tu es à Braza, allez voir Yaya, qu'il ne fasse pas ça. Je suis descendu, je suis allé le voir trois fois. Et tu sais quoi? On m'a même taxé d'être complice. Mon Dieu. Et tu vois, bon, je suis allé le voir trois fois. Paix à son âme, c'est mon grand frère. Je l'ai dit qu'on le veut ou non. Même si tu trouves que le président ne va pas dans le sens de ce que tu penses, il y a des trucs. Il dit, je n'ai plus les accès là-bas. Le pays va mal, je vais me présenter. Je dis non, va même au village, quand il est au village, force la barrière. Tu viens de voir les gens, tu parles. Tu lui parles, il va te recevoir, il va t'écouter. Ne fais pas comme ça. Moi, il devait. J'ai voulu désamorcer ça. Il m'a dit juste une chose. Mais les gens sont déjà venus. J'ai déjà lancé des trucs, j'ai dit des trucs pour les besoins de cohérence. C'est la même phrase que le vieux Okombi m'avait dit dans son salon à trois jours de l'élection. Il dit, on a déjà fait des choses, on va faire comme. Mon petit, je fais beaucoup de choses. Je suis là juste pour rassembler ce qui était passé. Je ne cherche pas la division. J'ai dit quelque chose. Moi, je dis les choses. Les gens veulent me ramener à quelque chose de lointain. Non, je suis député, chef du parti. Pourquoi vous voulez m'associer aux aventures que nous avons faites dans notre jeunesse, peut-être en 97 ou quoi? Ça, c'est la causerie dans nos salons. Mais depuis que j'ai parlé à Aristide Boyo qui a goûté, depuis que j'ai parlé, mais les gens qui remettent ça, c'est des gens qui sont animés par la mauvaise foi. Moi, non. Je suis un homme mature. Je suis un homme mature. Et j'ai compris aujourd'hui avec cet événement qui est réellement pour moi. Mais tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Je vais me conduire en conséquence. Okay. J'ai dit, je vais laisser de faire la politique par respect du président de la République, puisque je n'aimerais pas me dresser contre lui. Mais nous allons être les observateurs très loin de ce pays s'il n'y a pas de changement. Et on verra un jour tous ces gens-là. Moi, je sais, ils vont dire, mais ils devaient aller au Bakiango. Mais ce serait trop tard. Moi, j'ai vu les gens. Les courtisans, là, les hypocrites, là. Je les ai vus quand le président a perdu le pouvoir. On était plus nombreux autour de lui. Je te parle de 88, 89, 92. 92. Mais je te parle les détails. Donc, quand les gens parlent, ils n'étaient pas là. Donc, la journaliste de France Afrique et comment vous appelez ça, Jeune Afrique, lui posa la question de savoir, monsieur le président, on constate depuis un moment qu'il y a plus grand nombre autour de toi. Mais hier, vos déplacements étaient toujours truffés du monde. Le président avait répondu. J'ai ça ici, je ne lis pas. C'est dans ma tête, parce que j'étais là. Le président avait dit tout simplement, vous savez, quand on est aux affaires, on a tout le monde derrière soi. Mais lorsqu'on n'est plus président, on a pour ami que les meubles de sa chambre. Tu sais ce que ça veut dire? Donc, aujourd'hui, quand les gens viennent pour les machins, prenez, mangez. Mais nous, on restera les soutiens des effectifs. On ne va pas accepter que cette vague du peuple qui est en train de monter soit dressée contre le président. Jamais. En ce moment-là,
ils mourront devant eux sur leur route parce que je ne veux pas que ce monsieur sorte par la petite porte. Il sortira par la grande porte. Alors, réfléchissant sur les modalités pratiques, pouvons le ramener en 2026 à candidater. Et ceci nécessite d'abord le balisage. Il faut arranger les petits trucs. Bien, pour que nous autres, là, les devins, nous ayons l'argumentaire pour convaincre. Merci, merci. Parce que là, je constate aujourd'hui, c'est la phase vérité. Le moment de vérité, on est en phase du député honorable qui nous fait, qui nous révèle des vérités, des choses qui étaient cachées aujourd'hui. C'est très bien, mais on peut aller plus loin. Alors, vous avez dit ceci. En 92, lorsque le président Sassou Nguesso a perdu le pouvoir, et vous vous êtes arrangé pour troubler le règne de Lissouba, créer l'insécurité. Et vous avez réussi. Non, vous allez répondre. Et vous avez réussi. Et en 2014-2015, vous avez participé au changement de la Constitution. Donc, sur ces deux points, est-ce que ici, vous pouvez dire quels sont les atouts que vous avez pu avoir pour mettre à mal un gouvernement qui était là, un président élu démocratiquement, pour amener M. Sassou au pouvoir, le résultat qui est le nôtre? Deuxièmement, le changement de la Constitution, qu'est-ce que ça a apporté aujourd'hui? Vous pouvez en être fier en vous regardant dans la glace pour dire oui, j'ai mené ce combat, je ne voulais pas de Lissouba. Lissouba a créé l'insécurité, il est parti, nous sommes maintenant bien, le pays a décollé. Ou en 2015, vous avez imposé le changement de la Constitution et vous en êtes fier. Je crois vous avoir déjà compris, j'ai cerné la question. Je vais vous répondre par l'absurde en vous disant, en vous citant d'abord une pensée. Que lorsque l'intelligence quitte le banc de la conscience, prive aux esprits éclairés les moyens de faire des bonnes analyses. Le prétexte dont certains, les semi-lettrés, veulent s'accrocher comme pour me maintenir à leur niveau dans la boue concernant cette histoire, je dis tout simplement que c'est un texte qui est sorti de son contexte, qui leur donne le prétexte de m'attaquer. D'accord, donc bon, moi, je n'ai pas dit ça comme ça. Il faut suivre la séquence. Allez-y, on parlait au salon. J'ai dit, nous étions jeunes. Lissouba prend le pouvoir. Un homme intelligent, puisque à cette époque, nous disons les choses clairement. Il n'y avait que deux acteurs politiques vrais qui avaient le peuple avec eux. Lissouba a réussi avec les Mabamatatu d'avoir les trois régions avec lui. Et il y avait Kolela qui avait réussi, n'est-ce pas, de s'accaparer du pôle. Le président avec qui? En ce moment-là, cet homme intelligent que j'apprécie d'ailleurs, parce que du point de vue linguistique, j'étais admiratif. Ce monsieur, Pascal Lissouba, oublie les attentes du peuple. Mal conseillé, il va chercher maintenant à nuire à l'existence des soutiens du président Sassou qui se trouvaient dans les quartiers, surtout à Mungali. Quand les gens viennent parler, mais 92, il y a eu élection. C'est eux qui ont battu campagne à Mungali. Mais les gens sont courageux. Quelle prétention. Mais c'est moi. Avec mes grands du peuple, c'était les Fayette, les vieux Mokoko, père à son âme. Ils étaient où? On était dans un quartier où il y avait plus des gens de UDR Mouinda, les gens de MCDDI. Mon grand frère était le président de la jeunesse MCDDI, je cite son nom, Noël Kifoué. Le maire de Madjiboula en sait quelque chose. C'était notre formateur, c'était un professeur d'histoire géo et un grand qui était fort sur les envolées oratoires.
Mais on était là. Nous, le peuple, c'était moi et mon frère. Il est mort, ami Cyprien Dibilissou. Son grand frère est vivant, le vieux Afouti, qui travaillait avec Okaban. Il y avait qui, là? Il y avait qui? Vous venez ici tranquille, traverser l'histoire, je vous le concède. Mais nous étions là. J'ai des amis au barreau avec lesquels on était au lycée. Je cite Maître Aoula, Norlon, les Blaise Bossota. Mais ils savent comment on avait de l'admiration pour le professeur Pascal Issouba, malgré le fait qu'on soutenait le président Sassou. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Donc, je fais l'histoire. Je dis tout simplement que l'Issouba oublie l'essentiel. Il voulait maintenant s'attaquer à quelques poches de résistance, les gens qui parlaient dans les quartiers, pour faire revivre le PCT. Et dans le lot, mais qui ne sait pas ça? Les beurrés verts de la garde présidentielle de l'Issouba sont venus dans la rue Makotopoko, cherchant à me tuer. Je parle sous le contrôle du général Oyobe Fortuné, docteur de la gendarmerie à l'époque. Et la petite qui est en Allemagne, Inès, la nièce de Bokamba, c'est dans la jeep de la gendarmerie que je me suis retrouvé à la meuble pour traverser la nuit. Vous dites quoi aux gens? Je faisais ça pour mon père ou pour ma mère? Respectez les gens. Si vous avez peur de la vérité, tant pis pour vous. Mais moi, je vous le dis. Je dis c'est dans ce sens-là. Après le repli, on s'est organisé. Personne ici peut me dire le contraire. Odjoki Arnion German, c'est mon petit frère. Son oncle Michel est là, tantine Jeanne est là. Ses petits frères sont là. Moi, je suis son grand frère. Je l'ai connu tout jeune, tout comme mon cousin, mon petit frère, chez Michel. Donc, j'avais mes deux petits frères qui tenaient et qui venaient chez moi. Mon fils qui est à Paris, la Krishna, qui vient d'obtenir sa licence en droit comparé, le judoka. Mais là où il est né, la maison que je louais à sa maman pour occasionner, enfin préparer ça en arrivée. Mais tous mes petits là venaient là. Les lames, les machins, les, tout le monde. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais là on est dans quelle année? Dans les années 94, 92. Les gens doivent être sérieux. J'ai dit, on s'est organisé, puisqu'ils voulaient nous tuer. Et on a fait la résistance. Parce qu'ils ne venaient plus pour la politique, ils venaient maintenant, avec ses obéviles et autres, chercher à nous tuer. On a résisté. Et dans ce désordre-là, les hommes politiques du PCT, les amis du président, ont réfléchi. Ah, voici, voilà une brèche qui peut faire revenir notre acteur. Mais c'est des hommes politiques. Puis on dit que c'est les occasions qui créent, les situations qui créent des occasions. Ils se sentent engouffrés là, peut-être pour poser, demander à ce que leur champion revienne. Mais c'est sorti du contexte. En coupe, on dit seulement, attendez, si vous êtes bête, c'est normal. La vie, on ne peut pas seulement avoir tout le monde au même niveau. Mais faites-vous aider pour comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Ça, c'est pour ce qui a été sorti de son contexte. Donc, je ne fais pas l'apologie de ça. C'est une partie de l'histoire. On est en 92. Que donc quelqu'un lève pas. Le doigt. Donc, vous bien. N'avez pas. Donc, aujourd'hui... S'il vous plaît. Non, j'arrive. Vous n'avez maintenant, pas 2015-2014, mais tu oui. m'as vu à Paris. Oui. C'est là où je rassemble les blogueurs. Mes petits, les Jaf Lukweta, les Vranongo, les Armand, la plupart des petits blogueurs de la diaspora, pour leur dire que voilà, ne faites pas ça, il faut soutenir le changement de la Constitution. Et quand je fais ça, c'était pas facile. Il y a eu beaucoup de débats dans le club dont je venais de citer, Kimpwanza, de mots. J'ai fait ce déplacement-là. L'État m'avait donné l'argent pour aller convaincre. Mais Mabakou me connaît. Bayonne, Jean-Jacques Bayonne, l'avocat, me connaît. Je les ai connus lors de cette rencontre avec les gens de Kimpwanza, de Meaux. Ils sont pas morts. Donc, quand vous voulez flétrer quelqu'un, cherchez tout simplement à le minimiser parce que vous avez l'argent. Mais l'argent ne suffit pas.
il y a des vrais gens, des hommes de réseau qui ont réussi à convaincre bon nombre. Mais aujourd'hui, le débat est posé. Mais je n'ai pas fait ça pour demander quoi que ce soit. Mais dans le partage, les gens même manquaient l'élégance, sinon la lucidité de dire « Ah !» Pour changer la conscience d'abord, ce n'est le secret de personne. Sauf si certains me diront qu'ils ont été lobotomisés au point de ne plus s'en souvenir. Mais moi, je suis là pour les rappeler. Bon. Sauf lobotomie de leur part, je leur rappelle que j'étais en première ligne pour changer cette constitution. C'est bien. Alors, quand j'ai changé la constitution, pour chuter justement votre question, je ne l'ai pas changé. Je dis encore, l'homme politique ne mène pas le combat, son combat, pour l'obtention de quoi que ce soit. On fait le combat pour faire triompher des idées. Et moi, je voulais qu'on sorte de la juxtaposition du pouvoir, qu'on reparte dans la séparation du pouvoir. Mais grande ma déception aujourd'hui, à la lueur où vont les choses. Regardez, le Sénat a tenu ses questions orales avec débat. Le Sénat, c'est une institution, non? Une deuxième chambre. Oui. Bon, nous, on ne fait que procrastiner. Peut-être si on avait eu ce débat à l'Assemblée, les ministres-là devaient être interpellés. Le débat devait s'arrêter là, n'est-ce pas? Mais le fait de faire comme ça, non. Je suis chef d'un parti de surcroît. Oui, c'est ce L'homélie est aujourd'hui dite dans la rue. C'est bien. Donc on a eu une chapelle. Moi, c'est triste. J'ai besoin je suis le premier. Hein. Je suis le premier à être triste, oui. Mais je m'indigne face à ce mauvais comportement qui consiste à traverser tout. Je vais peut-être me répéter. Je ne demande pas votre indignation. J'ai posé deux questions bien précises. Vous avez créé l'insécurité en tant que citoyen face à un président élu démocratique. Bon. Vous avez eu le résultat. Il est parti. Lorsque M. Denis Sassou est arrivé, êtes-vous satisfait de son bilan? Oui ou non? C'était ma première question. Deuxième question. Lorsque vous avez participé au changement de la conscience, comme vous le dites, pour faire triompher vos idées, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vos idées... parce que vous avez plaidé pour la séparation des pouvoirs, est-ce que vous l'avez aujourd'hui dans l'effectivité, oui ou non? Avez-vous des regrets? Et si c'était à recommencer, vous allez encore le refaire, oui ou non? Les questions sont simples. Bien. Par la simplicité et par la simplicité de vos questions, excusez-moi, hein, je ne vous méprise pas, mais c'est tellement simple. Mais c'est simple, oui, pour que vous... Voilà, c'est tellement simple. C'est tellement simple que si j'étais moyen intellectuellement, je pouvais vous répondre par le oui ou le non. Mais sauf que moi, du haut de ma conception, je ne peux pas approuver quelque chose sans commenter. Voilà. Sans commenter. Donc je dis, oui. Nous n'avons pas voulu cette situation. Je ne sais pas, ça me suffit de... Mais attendez, ne faites pas la sourdine. Nous n'avons pas voulu de cette situation en 92, 93, 94. C'est l'Issouba qui sort de son champ politique pour venir chercher les gens dans les quartiers. Et on s'est organisé pour ne pas être compté parmi ses victimes. Et ça a perduré. Les grands politiques de l'époque, donc les Foba et autres, les Bambété, ont peut-être saisi cette occasion pour dire, ben voilà, il y a une brèche sur l'insécurité, on peut le mettre à profit. Ils l'ont capitalisé et peut-être aujourd'hui la suite, vous le connaissez. On n'a pas voulu ça, c'est lui qui était président. Donc, ne travestissons pas la vérité. Bon, maintenant, sur le changement de la Constitution, moi, Idever, je suis content, déjà un, d'avoir obtenu dans le phrasé de certains politiques qui se refusaient à l'époque d'employer le verbe changer
Mais le petit laboriste Ibarra Iloye est là. Je suis passé à l'audition de la démocratie pour... je suis parmi les premiers à avoir employé le verbe changer. Mais on m'a traité de tous les noms, non? Venant aussi de notre famille politique. Ah non! Ici, là, il s'agit de révision. Ou m'a c'est comment lui? Est-ce qu'il comprend même? On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. J'ai pris ça sur moi. Mais après, c'est les mêmes qui sont venus. Quand j'ai balisé le terrain partout dans le sud, c'est les mêmes qui sont venus pour dire maintenant, il faut changer. Les comités se sont mis. Puisqu'ils ont les moyens, ils ont le pouvoir. Moi, je fais quoi? Moi, je n'ai juste que le peuple avec moi. Les gens savaient que je pouvais aller à Mouyondi et être écouté par tous ces ex-combattants-là. Mais soyons sérieux. Non. Donc, quelque part, même si on n'aime pas la tête de Moani, mais ayez au moins l'élégance de reconnaître la vérité dans ses propos. Mais la vérité, est-ce que je me suis bien oui, on a compris, les Congolais ont compris, même si on est simple, on a eu quand même, on a été aussi moyen pour comprendre la réponse que vous avez. Même si on est simple. Tu es attaquant. Hein. Bon, tu sais, c'est bien. Je t'aime bien parce que tu aimes bien comme les Larry disent. Wasaka, moi, c'est le piment. Je comprends ça. Allons-y. Non, ben oui, bon, d'accord. OK. Moi, aujourd'hui, bon, en tout cas, moi, je reste sur ma soif. En tout cas, bon, peut-être mon niveau de compréhension s'est arrêté. Je n'ai pas eu les réponses, surtout aujourd'hui. L'histoire, on a parlé de l'histoire, mais c'était une occasion, une belle occasion pour vous de vous repentir. Hein, mais vous l'avez raté, cette chance. Au lieu de vous faire la repentance simplement, on a fait la faute. En 1992, lorsque un président élu démocratiquement, on aurait dû le laisser travailler. Bon, vous n'avez pas saisi cette chance. Mais je n'étais pas son conseiller. Oui, d'accord. Que mon grand frère Jean-Jacques Yombi, mon excuse, c'est son père qui était premier ministre. Il pouvait lui dire, lui déconseiller d'aller chercher les jeunes dans le quartier. Maintenant, parlons d'aujourd'hui. Faire la peau. Mais voilà. Il n'a pas conseiller son président dans ce sens. Ils ont cherché à poursuivre les gens et emmener son président à la guerre. C'est pas moi, il devait, mais j'avais quel âge à l'époque? D'accord. Si mes calculs sont bons, je pouvais avoir peut-être dans les 30 et quelques. D'accord, très bien. Okay, mais aujourd'hui, mais nous avons un sérieux problème, celui-là, vous le voyez très bien. Il y a le problème de la cherté de la vie et le problème de l'insécurité. Le président de la République, dans son discours, prône toujours la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que le Congo est un pays en paix? Mais vous savez, vous venez, voilà, ça vient à point nommé. Voilà des questions intelligentes. Oh, les autres étaient idiotes. Les autres étaient idiotes. Excusez-moi. Je m'en excuse. Voilà une question qui en valait la peine. Je te réponds en tant que sassouiste. Nous avons aujourd'hui des difficultés. Toi-même, tu vois, on peine à avoir des investisseurs aussi pour nous aider, pour nous accompagner sur la réalisation de bon nombre de projets. Mais est-ce que si un pays est réputé vivre dans l'insécurité, peut-il encourager les investisseurs? Je ne pense pas. Et c'est contre-productif. Voilà pourquoi j'ai mis l'accent là. Maintenant, les gens doivent comprendre ça. C'est une question à large spectre. Vous pensez peut-être que, bon, il y a le pétrole, on peut voir, on met l'argent dans nos poches. Mais les investisseurs, le pays fonctionne avec les investisseurs. Pas ceux qui viennent ici en culotte, M. Nabaté, et puis deviennent commerçants. Non. Les investisseurs, c'est qui? C'est celui-là qui quitte celui avec l'argent. Il vient pour un projet, vous l'aidez à réaliser ce projet pour le bien-être de notre pays. Mais celui-là ne peut pas ramener son argent dans votre pays s'il y a l'insécurité. C'est question de bon sens, dis donc. Bon sens. Pensons à ça. Est-ce que dans l'état où est le Congolais, tu sais, les expatriés, c'est comme ça que vous aimez les appeler. Quand ils viennent chez nous, ils se mettent en t-shirt, en culotte, ils aiment traîner dans les boîtes de nuit, boire les bières.
Mais si à l'insécurité, on commence à les couper, mais on n'aura pas une bonne presse à l'étranger. Mais est-ce que, quand on dit ça, on fait une fixation sur quelqu'un? Mais voilà une question. Nous sommes le peuple. Je suis peuple. Nous sommes le peuple, mis à part les titres, député, quoi. Je suis d'abord peuple. Oui ou non, j'ai une tête et je suis libre de penser. Bon, oui, mais non, voilà. je pose, parce que là, vous êtes le peuple. Il y a eu le recensement où on a parlé à 75% de la population est jeune. 75% de la population est jeune. Et aujourd'hui, lorsque vous parlez, parce que est-ce que vous pouvez utiliser un langage ezala accessible? Parce que ne pense pas que tous les jeunes que tu as là ont fait les mêmes études que toi. Obana Maïel a compris. On a posé leur question. L'élan, le Congo est un pays en paix, comme le chante souvent le président de la République. Moi, tu m'as donné la réponse. J'ai compris, mais j'ai bien peur que ma grand-mère qui se trouve en Fouati là-bas ou en Gangalingolo ait compris ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a Yoki? Il devait le pays toujours vivre moi toujours vivre na quartier insécurité. Très bien. Insécurité. Très bien. Maintenant, question pour Bakisayami Balé. Est-ce qu'une photo tika biloko kaka en l'état? Mais voilà la tina qui la zone du CEO. Je vais le dire encore en Mounoukoutouba. Vas-y. Betoke le peuple. Betoke zonza na bantu. Na tango betoke na koumante na kreno. Il y a que contre Moutouvé, il y a que quoi pour vous sécuriser, ma maman, ma bête, ma tante, ma bête, ma pangue, ma bête. Monter au créneau, c'est pas pour sécuriser. Quelles sont les solutions? Wapi, ma solution, Kenangé, n'a pour éradiquer l'insécurité, Yina. Bien. Il faut comprendre, je suis pas un exécutif. Voilà. Comme ça, si tu fais semblant. Non, mais c'est pour ça que vous avez posé la question. Mettez-vous dans la peau du ministre intérieur. Regarde même comment on limite l'action du parlementaire. On dit contrôler l'action du gouvernement. Mais on ne nous donne pas les moyens de sanctionner. Il y a la motion de censure. Non, mais on ne nous donne pas la possibilité là. On nous dit contrôler. Mais nous contrôlons après constat. Mais on n'a pas d'autre pouvoir, on se limite là. Donc nous avons posé le problème. Bon, maintenant, c'est aux décideurs de prendre leurs responsabilités pour juger. Il y a Win Mugisabi Sangé, au lieu que la personne il y a besoin, au lieu que la critique, au lieu que ça va critique, mettez-vous dans la peau du ministre de l'Intérieur. Yo, Ozali, ministre de l'Intérieur, wapi, ba solution, qu'on rose, doit aller insécurité, à ba bébé noir, au tout, tout, aux hommes, on a insécurité, au Ozali, au des personnes et des biens. Au lingako, ça la nîme. Sauf ceux qui osent ça l'esprit, na lobby, na yo boy. Le problème qui se pose ici, c'est de réformer un peu la police. D'accord. Peu importe, même si c'est les mêmes acteurs, il faut que Batouba Zalana ait conscience que Mboka ça ne va pas. Il faut donc s'organiser, commissariat et un arrondissement, tout et un quartier, tout. Faire ça un mot d'ordre. À partir de Boutou, surtout les lots, Motoana, Azokata Courant, Kili Kili. Donc, ils allaient et l'autre, ils ont encouragé ma bandiwana, mon Lili. Alors, il faut réel politique. La mairie centrale, à Mekakotia, ba lampadaire, na ba quartier, na ba nzela nyoso. Un. Deux. Ba kokako s'arranger, na motoana, dougunganga ou quoi là, DGSNE, de manière à ce que, ba kopirwane sa la makana moui, na boutou, mboka, ils allaient éclairer. Ça, c'est de deux. De trois. Bazwa bambo wana brigade canine. Bazwa bango
bape sa bango affecté bango na ba commissariat tout na 140 semon na butu ba police ba tika ko bebe sa ka carburant côté ba trois hommes na masanga wana non ça c'est rien du tout ba ke ne ko luka ba tebazana ba machete na ba molili comment les jeunes là opèrent ba ali 3 ba ali 4 mais moko akokofana na quoi azo gete so motazo ya baninga ba se préparer akosala lokola azo le kama ye pa sa na machete na ka chanzo yoko le ka tu dis bon c'est une seule personne le ki il se retourne là-bas na machete mon dieu machete o ki mabaninga ne babimi alors il faut déjà ba banda ka certains d'un certain à partir d'une certaine heure moi et poussani ba une heure par là de faire les patrouilles et être attentif na ba quartier sensible parce que les jeunes là nous les connaissons il faut ba réorganiser au monitang monsieur le ministre à Kekolobana ba chef de quartier bon et comme moi approche mais il faut structurer ça la territoriale et ali théorie moko ya sécurité ya police oyo à l'époque l'Union soviétique azalaki ko s'appuyer nango pour na renseignement mais dans la territoriale qu'est-ce qu'on fait donc le ministère là on scinde ça en deux volet msubati sécurité machin volet msubati territorial. C'est là-bas où on nomme les préfets, les maires, les chefs de la collectivité locale, chef de quartier, chef de bloc. Na l'époque, il y a l'Union soviétique, na chaque bloc, il y a peut-être na deux ou trois agents de renseignement, il y a un peu de minéraux par mois. Moussala na bango, il y a un peu de minéraux, mais moussala na bango, il y a un peu de minéraux. Donc, ce qui est situation, les knazons n'ont pas bien à l'époque. Bango, automatiquement, ma petite situation exacte. Chaque bloc et quartier, il y a un nombre, mais il y a une banité. Donc, il y a sa situation, température normale, et il matin à l'élu, et matin à la mairie. Et comme ça, quand la police vient, c'est avec précision. Toi, il faut que tu te dises. Au moment où tu as sali pour un quartier, ou à qui m'a quartier, même pas 30 minutes, au bakangi. Mais c'est les gens-là, du renseignement, où ils sont entretenus, dans chaque quartier, chaque immeuble, il y a toujours au moins un ou deux agents de renseignement. Chaque immeuble en France, hein, tel que Bazo Tonga. Mais puisque on a un quartier, on peut recruter. Et comme ça, le matin déjà, chaque chef de bloc a yebi que na quartier na ngana na bandi boy na bandi boy zaka na boy ba adresse ba yebi et bango ba komi na mission pe ya ko suivre ba activité na bango dès lors qu'il commence la police est alertée aya du bango efficacité police monani faut tout zo makambo mabete tout a bandi déjà approche bien na monique ba chef de quartier mais tout structuré en go de manière à ce que information et mata. Ba policier, ba magistrate, sans l'information, ils peuvent rien. Alors, il faut un bon goût de renseignement et qu'il y vraiment pour un renseignement. Ba subventionner ba touana, ba zalakarwana. Et on va voir que dans chaque bloc, il y a les suivis, ba petiona ba moko ba koutika. C'est les petits qui vivent dans nos quartiers, on les connaît. Donc, on a compris, l'honorable, le ministre. Idever Mouani a déjà son organigramme, l'organisation. Non, mais c'est la vérité, c'est ce que je dis tout simplement. Panino Koboya, ce qui est cambrioli à Bosolo. Donc, on constate, le ministre Idever Mouani a son organigramme, l'organisation de la police. Très bien. Il y a une question, Tokogo, si ça t'est ce qui est au lobby de Kababa Jeunesse. Le président de la République, à la fin de l'année, Assali a décrété 2024 année de la jeunesse. C'est une belle proposition. Alors, mon collègue Alélo, on a entendu le gouvernement a dit il va créer 100 000 emplois au Congo. Toi, député de la République, au Congo, Yebisabiso, j'imagine que tu es de la majorité. Bon, enfin, vous êtes de la majorité présidentielle. Bossa la kaba réunion entre Bino na le gouvernement ou soit na premier ministre. Donc, à Pessibino, ba pis, n'dengeni na kousala pour que tu crées 1000 emplois en 2024, ce que je doute fort, parce que mon collègue, il y a l'élo, oui, tu as dit, il y a 3 mois, il n'y a rien qui sort. Est-ce que cette proposition, ce discours est tenable, ou c'est toujours le même discours, pour faire évoluer les institutions au changement de la constitution? Bon. Tu sais, dans la vie,
avant de chercher à épiloguer, il faut connaître les hommes. Bon, c'est pas parce que c'est mon grand frère, hein, Hugo Londele. C'est quelqu'un qui a de la personnalité. D'accord? Et à Yébi que il est mis à l'épreuve. Et vous avez vu qu'il a commencé par le commencement. Il y a un conseil consultatif de la jeunesse avec mon fils, là, Chris. Ils vont travailler. C'est aux jeunes de faire les propositions. Entre-temps, il a un cabinet aussi. Il travaille dessus. Maintenant, tout ce qu'on a mis en attente, tout ça, le conseil, on voit à peine lundi passé. Nous sommes quand aujourd'hui? On est samedi. Donc, tout ce qu'on a mis en attente, il y a réflexion na bango, il y a travaux na bango. Et ben na kufuta, ba ye ba comment kuleka na ba modalité pratique. Ce n'est qu'après que nous pourrions les évaluer et savoir ce qui réellement bazo kenenanzela wana ou pas. Je suis ici dans mon salon avec deux magistrats et trois avocats. Donc, il faut pas tout qui n'est que vite en besoin, tout à la nan, hein, le kinanga, bisous tous à peuple. Ce que ça l'amité, tu pourras me rappeler, on en a parlé, on va faire l'émission, mais c'est trop tôt. Mais d'accord. ce que je déplore, hein, par contre, parce qu'il faut être cohérent et constant. Nous sommes un gouvernement, hein, il faut concertation, Zala. Le ministre vient de mettre, d'aider à l'inauguration, enfin disons, à la tenue de la première réunion, n'est-ce pas, du conseil consultatif de la jeunesse. Bah, ça, là, organe, wana, mais, bah, peu, ça, qu'a pas, un bon, au budget, il y a, bon, mais, belé, bah, n'a pas salaire. Aux autres, c'est qu'un salaire, n'a plus, bah, n'a pas salaire, mais je veux pas dire ça ici. Mais, bah, Zala qui, Malali Bosso Basala va tenir réunion à Bam. Donc ça veut dire que le ministre a bien compris que il faut pas bimisa banguna léthargie, batia banguna mosala et à tirer profit, y a bafoui, y a mosala na bango. Donc observons, prenons le temps. Tout balobakate. Tout balobakate. Ce que biso to comme le sécurité lelo parce qu'il y a plus de 15 ans que cela perdu. Mais là bon. Ma bandit. Donc, tu peux s'en aller, bah, au moins, toi. Ce que toi, trop pressé, toi, méchant, tu évalues que, même après six mois. Est-ce que l'honorable Moani veut dire par là, depuis 1997, il est là, 27 ans, bisous, tu es beau calculer, Mingite, mon collègue, mon laï. Donc, on a 27 ans, voilà. Est-ce que, au coco, yébisabiso, c'était un échec de ce pouvoir, à ta même ligne, mon côté, à ta solution, mon côté, à la jeunesse, bazouaki, bazeli kaka, papa mokozia, loba, siko, bino, lobi, tino, bandi ango kaka, lelo, basale ango lobi, toze la lisusu, toze la mikolo boni, keso nanga kaka wana. Bon, bambongo wana, yaraki ya ministère, wako sa nango ni. Bien. Il faut que yé ba eloko moko, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, je te dis. Tu vois, tant qu'il y a un conseil de cabinet, il y a un débat avec les technocrates. Chaque ministère a un programme, il y a un et l'autre. Deux fois, pour obtenir un peu ça passe. Hein? Moi, je te le dis, hein? Comme on a été, mais par contre, déjà, dans le gouvernement, il y a tenu, il y a un réservé. Mais nombreux, il y a un foot. Bona action à Bangote, ça c'est de pas. Maintenant, balobi angote, mukonja balobi année de la jeunesse, batutu bakumo ya kanaba esko bakumo kota ona. Mais moi je sais qu'il y a un ministère en charge de ces questions. Et moi, c'est pas parce que c'est mon grand frère. Là je suis vraiment makamongo. Si c'est pas bon, moi je lui poserai la question. À l'hémicycle, à Koulouto pour la jeunesse, tout ça. Faut compter sur moi. Je lui poserai la question, il viendra expliquer les difficultés. Honorable, pourquoi ils ont commenté.
Honorable, voilà. Le peuple, parce que vous êtes un député national. C'est vrai que vous êtes l'élu de la première circonscription de Mungali, mais Wali élu national. Peuple Azo croit Makamozo Nova Ate Ponanini. Depuis Kalao Lobatino, celui qui est là, c'est mon grand bon frère, votre familiarité. Mais Lobana Bisso, depuis Azalaka ministre, Wapepa Yomona Saki Malamu, Okumisayawa, pour que tu crois que je vais essayer. Je pense que on en a déjà parlé, les pifs t'ont parlé. Tu vois que quand tu fais quelque chose pour l'opinion, il faut éviter ma fixation. D'accord. Ici, tu as posé une question, c'est une question de bon sens. Et n'a pas eu réponse tant monsieur que c'est plus sabatoté. N'a le bica qu'un grand frère pour dire quoi que naïebi mutuana n'engue à fonctionner car peut-être que vous aurez résultat. Mais je ne veux pas ici être devin de mauvais augure pour dire que c'est matin parce que côté monsieur c'est magité. Non. Donc faut te kaka quand même. Yo congolais. Nous sommes optimistes. Écoutez-moi bien. Voilà, tu es optimiste. Le peuple congolais doit savoir que je suis optimiste. Mais je ne suis pas animé d'un optimisme de contemplation. Je ne suis pas animé d'un optimisme de contemplation simple. Mais je suis plutôt d'un optimisme de combat. Donc, étant donné que je suis de la majorité, je ne vais pas me limiter à contempler les choses. Je vais peut-être dire les mots même par les textes. Envoyer les textos au grand là. Ah bon, vieux, ici là, c'est pas bon, machin, machin. Mais pour l'instant, faut tout éviter tous à la bavoyant. D'accord. Donnons le temps au temps. Avant de se séparer. To lo basiko yo bosana ke ozana kacha la majorité bosana ozali soki ndenge nini na poser une question oui le président de la république Denis Sassou Nguesso au pouvoir ça va faire pratiquement plus de 40 ans oyozomona na yom encore en tant que humain est-ce que tu penses que non parce que là tu viens encore de plaider la cause qu'en 2026 donc bozo bungapuka se présente encore en 2026 donc akovanda encore au pouvoir jusqu'en 2026 ti 2031. Est-ce que Yomoko, en tant que Congolais moto, et tant que au Monipembo Canada, le Yomoko le bien insécurité Zali, chômage à Makasa Zali, insécurité alimentaire à Zali, bah question paix à santé, voilà tu évoquais mais Oyebi Ango. Bon, est-ce que na Yomoko en tant que moto, soit que le président de la République congolais Lelo, soit qu'à lui-même en 2026 ça se présentait, ce qu'on dit Mango, on est Ali Bosso. Non, comme le Bakanomingi, Yami Bali. Gouvernement na yo omoni oyozo soutenir na gouvernement na assemblée nationale parce que ba loignon se toya kakuna o voter ke yango ngeke voter ke ya ba loignon so yina bon ki salue a gouvernement yina si ba ke kaka jusqu'aujourd'hui c'est que ngeme sepe la na ba ou parce que aucun moment ngeme talach non ngeme poser comment ba ke bokla motion de censure donc ngeme si en tant que congolais ngeke na nsa il faut so ba ke na ku poadisa ka bo la beto ou bien ngeke ven na nsa ba question zoli. Il y a président, 40 ans déjà, mais tu as ajouté 42 ans, plus 5 ans, ça fait 47 ans. Nge na kusosa ya mbanda na pouvoir pendant combien de temps? Et na gouvernement nge, tant la question mounu ya isolé pour que bete séparé bete nge. Bien. Tu sais, nous avons dit nge que le parfait n'est pas humain. D'accord? Socrate dit que, en ce qui concerne l'humain, que nos connaissances sont limitatives. Tu vois, on limite encore l'humain. Le président de la République, c'est encore un humain. Peu importe le baptiste, bah, né à humain. Mais il n'est pas seul à gérer ce pays. Depuis 40 ans, tel que tu le dis, il a travaillé avec les gens. Je vais paraphraser le président Mobutu, paix à son âme. Il disait,
Je cite, le président de la République n'est pas un magicien. Seul avec l'appui de tout son peuple qu'il peut tout. Mais le peuple, c'est qui? Les gens qu'il nomme là font partie du peuple. Et qu'est-ce que les gens là font? Et les autres communes là Babylon, le quoi, somnifère, open sa présidence, tout le monde scandre le nom du président. Ah, le président a dit, mais tu es nommé à ce poste-là, toi-même, tu dis quoi? C'est ça le problème. Bozo exposé mon conduit. Moi, je pense qu'en politique, quand tu es ministre, tu es député, tout ça, nous tous là, nous devons être les fusibles pour le président. Mais ceux qui te commis côté un président comme un fusible, l'ambition, en ce moment-là, ça pose un problème. Pour chuter à ta question. Mais si eux ne font pas bien, donc ils le font à dessein pour empêcher que le président se présente. Donc, ils doivent mieux faire pour baliser la route du président s'il aime vraiment, afin que ce dernier puisse, un jour, en se candidatant, être capable de regarder le peuple et lui dire c'est de ça qu'il est question. Moi, je ne peux pas me situer à gauche ou quoi, je suis le bouclier de ce monsieur-là. Ce n'est plus un gamin, ce n'est plus un enfant, c'est quelqu'un d'un certain âge. Il a besoin d'être aidé. Et pour l'aider, il ne faut pas être hypocrite. Pour l'aider, il faut aller sur des bases claires. Mais mon frère, puisque tant que ce soit une idée, question. Puis tu veux que nous gérons bien, nous faisons bien. Attends. Tu trouves ça normal que le gouvernement Salaka va séminaire, Peut-être que les gens n'en parlent pas comme je t'ai dit. Hein. Les gens se sont constitués en syndiqués et ils appartiennent chacun à un syndicat donné. Donc ils peuvent plus s'attaquer entre eux. Mais dites-moi un peu, est-ce que c'est sérieux? Moi, je pense que quand on prend quelqu'un au gouvernement, c'est qu'on a tenu compte d'un certain nombre de paramètres, de critères, hein, n'est-ce pas? Mais vous faites les séminaires. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend quoi? Que les gens n'ont pas de niveau. On fait pas comme ça. Et vous faites les séminaires là avec l'argent de qui? L'argent du contribuable. L'argent du contribuable. C'est vous qui les dites qui n'ont pas de niveau. Voilà beaucoup de choses. Hein. Voilà tant de choses que nous avons à régler d'abord. Dire ça, c'est pas être contre ceux qui sont là, mais c'est juste des questions de bon sens. Est-ce que oui ou non, nous voulons que le président soit candidat en 2026? Si oui, quelles sont les modalités pratiques pour l'emmener à candidater? La question est là. Bon, si vous ne voulez pas, ne faites pas semblant, ne venez pas avec votre hypocrisie. Vous commencez maintenant à déformer la question. Dire, Mwani, pourquoi il dit ça? Je te l'ai encore dit, Leki. Makamotu et Leki, oui. Ceux qui montent mon sou sur Yabango, à Lobakiango, ne devaient pas avoir de bruit. C'est moi. Ils ont voulu m'emprisonner Naïma Joana, à bagarreur, ancien peut-être guerrier. Ça les arrange, hein? Quand ils veulent me refuser le poste, de me traiter de reconnaître que je suis guéri. D'accord. Quand il faut me donner raison, et là, comme j'ai parlé, je vais dire la vérité avec toi. Hein, oui. Ils découvrent que Memouani n'est pas seulement celui-là qu'on devait mettre dans un coin, qu'il reste député, parce qu'il n'a peut-être pas de niveau, mais c'est un homme très intelligent. Alors, comment faire? Puisqu'il n'est pas que coincé, il n'est plus coincé qu'au niveau... Ça les arrange, j'ai compris ça. Il faut leur poser la question. Qui a maintenu sur WhatsApp mon beurré à la pâte d'oie? Ils veulent me limiter à ça. Et pour tout te dire, hein, voilà. Je suis un acteur politique. Comme disait mon grand, perd son âme. Oui. Donc, ça, que la caractéristique du politique se résume en 3C plus 1. Excepté le premier C du courage qui doit
animer le politique. Donc, qui est immanent du politique? Le premier, c'est la constance. Je le suis. Le second, c'est la consistance. Oui, face à ces troubles-là, il faut montrer que tu es consistant. Le troisième, c'est la cohérence. Il faut montrer qu'il y a la suite dans les idées. Plus la concordance pour la République avec le peuple. Et je suis respectueux de ces quatre C. Voilà. Non, non. Ngaïna le biboui. Il faut nous ôter de ce doute-là. Il faut nous ôter de ce doute parce que le courage qui est le vôtre, on le salue. La franchise dans les mots. La franchise, hein, ça dit que pour dire les choses comme il se doit, c'est très bien. Ça, on approuve ça. Mais il y a des Congolais qui se disent que ceux qui ont eu courage, il y a que le babouille. N'gaï pe na kanisi n'ingwana. Ceux qui ont eu le babouille, c'est parce que tu as dû avoir l'autorisation du président de la République. Sinon, tu devrais pas la ramener comme tu parles avec autant d'aisance. Parce que nous savons ce pays, comment il est, même ce qu'on le dit, non, nous sommes en démocratie. Je dis, dans toute science initiatique, il y a d'abord le premier pas, c'est l'initiation. Voilà. Évitez de vous improviser, voyons, au risque de vous couvrir de ridicule. Moi, je ne suis pas le confident du président de la République. Je ne suis pas son enfant biologique. C'est mon guide. Non, j'arrive. Ah, vas-y, allez-y. C'est mon guide. Je ne fais pas partie de son cabinet. Si l'occasion se présente de temps en temps, par les liens que nous avons, je vais là-bas. C'est pas pour parler de comment il gère son pays. On parle de la famille, de ma situation. J'ai des enfants en Europe, tout ça, fini. Je pars. En aucun cas, et peut-être c'est mal le connaître. Voilà pourquoi je vous dis de ne pas vous improviser. En voyant. Ce monsieur, c'est un homme respectueux. Il respecte tout le monde et je ne le vois pas lui. D'accord? Chercher à déshabiller les gens que lui-même a nommés. D'accord. Ah, il faut qu'on soit clair. Merci. C'est l'initiative personnelle, d'accord. Les discussions de maison, oui. On analyse les faits, c'est oui. Parti sur les réseaux. Merci. Je suis venu dans la constance, oui. Affirmer les choses et recadrer. Non, mais on constate deux faits. En aucun cas, et oui. Dire ça, il faut dire à ces gens-là qui écrivent ce genre de bidonnage que c'est insultant de penser que je serais téléguidé pour faire quoi que ce soit. D'ailleurs, pour la petite histoire, est-ce que tu sais, quand j'ai pris à bras le corps le combat pour changer la constitution, le président ne m'avait pas envoyé. Mais non, mais... Écoutez, je vais te dire. Tu sais, dans mon parti, j'ai combien de docteurs? Les gens avec doctorat. Ils sont peut-être une trentaine. D'autres avec le professorat, ils sont peut-être quatre. Ils enseignent les professeurs à l'université. Et ils enseignent à l'université. Donc, tu penses que les gens-là ne réfléchissent pas? Nous sommes un grand parti. Aujourd'hui, tu vas à la mairie. L'un des plus grands intervenants là-bas, il est de mon parti. Il a double nationalité. Américain-Congolais. J'arrive pour vous dire ce qui anime, habite notre esprit au CPR. Nous sommes dans le débat permanemment, on débat, on s'interdit rien, il n'y a pas de sujet tabou. Et quand le parti est sur une ligne, on en parle. Et tu vois que je parle aisément, sans document, parce que c'est des choses qui sont entretenues dans notre parti. Mais dans le lobby, hein, au silica pona nini. Rabaisser ma personne, que je suis téléguidé. En fait, ça sous-entend ça.
Ça sous-entend ça, que moi, je suis téléguidé. Je ne pense pas, donc je suis incapable de penser par moi-même. Mais laissez le président de la République. Bah, attendez, mais pourquoi ils n'ont pas posé la question-là quand je venais changer la Constitution? Tu sais que le grand parti, à cette époque-là, le PCT ne descendait pas sur le terrain. Ils étaient calfeutés dans leur bureau. Mais j'ai pris l'initiative seule de partir partout. Parler du changement de la Constitution, mais personne ne m'avait dicté. Je suis le président d'un courant politique et qui ne vit que par ses contradictions. S'il y a le peuple là, celui qui a eu la maladresse de poser cette question puérile, il faut lui dire que c'est un chef, le chef d'un parti. D'accord, ok. Et qui vit des contradictions. Voilà. Honorable. Dans ce pays, on a vu les jeunes activistes, les Chris Ndongi, les Amédée Delo, et pour leur parler, le franc parler, se sont retrouvés en prison. On a vu des gens qui ont été arrêtés dans ce pays pour des délits d'opinion, même ceux qui ont le Zalindengwanate. Pour avoir autant de liberté, cela nous permet surtout de s'interroger. Est-ce que Azo Bangapona Yemakote, ce qui m'a kangaye? Le problème, c'est quoi? Non, j'ai compris, c'est une petite question. Je veux vite t'épargner de t'époumoner sur des futurs. C'est facile, même un garçon de rue peut te répondre. Mais je viens de vous le dire, évitez de vous improviser. En voyant. Hein? Mais moi, je ne parle pas d'eux. Si on m'attaque, ah, tu as parlé des passeports des femmes zaïroises, mais c'est pas moi, c'est sur Internet. Je suis protégé. De quoi me parle? C'est pas moi. D'accord? Si on parle de détournement, ah, tu as parlé de détournement, mais c'est pas moi, les gens détournent. Bon, si on vient me parler de la sécurité, mais c'est pas moi, les gens meurent, les familles endeuillées peuvent vous répondre. Donc, voilà déjà ce qui me donne, moi, la force et le courage de dire les choses, parce que je me protège, je me cache derrière ça. Bon, maintenant, pour mes petits que je connais, les activistes, mais on ne fait pas la politique dans la rue. Il n'est pas interdit de parler dans la rue et se faire arrêter. Non, aussi. Je dis, non, vous êtes député, on ne fait pas. Mais dans la rue, ce que tu appelles parler dans la rue, là, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un appelle à l'insurrection, ça peut intéresser au Congakan. Parce que c'est des propos séditieux. Aujourd'hui, tu parles encore de Congakan. Si quelqu'un, non, je le cite parce que c'est lui le procureur, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est encore lui. Dans un pays sérieux, quand quelqu'un même détourne, on dit, il y a quelqu'un à détourner, il doit l'interpeller pour comprendre. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Les petits là ne faisaient peut-être pas attention aux mots qu'ils employaient. Tu comprends? Voilà pourquoi je dis, ne vous improvisez pas. Prenez le temps de vous rapprocher des grands. Moi, j'ai eu des grands, les plus grands orateurs de ce pays, je les ai côtoyés. Ndalagra n'est pas mort, il est là. Tu peux aller à la gare de l'Est là, tu vas le voir, demande-lui moi, il va te dire oui, il m'a été emmené. On me l'a présenté par mon cousin Badjinga Samuel. Plusieurs fois, on a échangé sur la vie politique de la République. Il m'a regardé. Les grands comme les Bouaou, il va te dire que le petit là n'est pas bête. Plus de 3 heures de discussion. Les Foba, il ne peut pas te dire que le petit là est bête. Donc, les gens doivent côtoyer les grands qui savent parler et qui connaissent pour se faire une idée et demain peut-être se poser. Moi, je ne suis pas né comme ça, mais j'ai appris. Quand quelqu'un a côtoyé Nyanguna, il faut faire attention. Ah non, ça ne va pas encore nous faire ça. Ah, cette fois-ci quand même, le Congo, hein? Ils nous ont tellement battus là pour les problèmes de connexion. Vraiment, cette fois-ci, c'est le Congo qui a un problème de connexion. Bon, on va quand même rétablir un peu sa connexion pour les dernières minutes. Un très bon débat où on a eu un député courageux qui a parlé sans langue de bois, moi, je trouve. Bon, et puis, il faut comprendre, c'est un politique. Il y a des éléments qu'il ne peut pas lâcher ici, là. Il faut quand même reconnaître cela en lui.
Azape Motazo, bah, rappelez la famille Kuna, on ne sait jamais. Donc, si vous voulez qu'il puisse cracher le morceau, et ne demandez pas que de quoi Tina Moton en anabolok. Comme je vous vois là, oh oui, il faut le pousser dans son retranchement, ce n'est pas ça mon but. Mon but, ce n'était pas celui-là de le pousser dans son retranchement. Le but, c'était qu'il puisse nous dire beaucoup d'informations ont été distillées ici, dans cette émission. Émission Moko, il y a bien, Oto Yoki Makambo et au PC. Oui, il a un problème de connexion, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Moi, j'en ai eu au départ. Et bon, n'a pas qu'on lingate, tu vas gagner, biso que le Congo gagne la connexion. Bon, ils ont oublié d'appuyer le bouton, ils ont appuyé sur le bouton du Congo. C'était ici que j'avais des problèmes, mais chez moi, ça s'est arrangé. Alors, les amis, c'était un plaisir. Hein, vous avez eu droit, même ici, il y a des insatisfaits ou il y a des satisfaits, c'est ça, c'est ça. Et il n'est pas, lui, aujourd'hui, au gouvernement. C'est un député qui a eu le courage de parler. Ça, il faut le reconnaître. Il a très bien, moi, je trouve qu'il a très bien parlé. Il a répondu même avec sa manière. Voilà. Mais bon, il faut pas non plus oublier que non, il est député. Il est de la majorité. Il vit de ce système. Il pouvait pas tout lâcher. Donc, il fallait pas s'attendre aussi qu'il puisse renverser la table. Donc, ceux qui s'attendaient qu'il y ait renversement de la table, mais bon, hein. Il a tout à fait raison lorsqu'il dit que nous, il faut fréquenter les grands pour grandir. Alors, on se retrouve demain dans le 17h dimanche et lundi dans la matinale. On a eu droit, beaucoup de révélations ont été faites. Bon, regret aussi de sa part aussi. Mais l'essentiel que tout le monde ait à chacun de faire son appréciation. Alors, Vaninga, donc, Tokutani Kaka, donc je vous souhaite vous tous un excellent week-end. Voilà, Yangai Peyaki. Perturbé, troublé, parce que ça n'a pas été facile, je vous signale, ça n'a pas été facile. Avec tout ce que vous avez entendu, son arrestation, que les gens avaient parlé, et tout ce que les gens avaient dit, et ça n'a pas été vraiment facile, mais bon. En tout cas, il est venu quand même, ça a été quand même un plaisir, donc on peut quand même remercier Oyassane. Ah bon, il est revenu, il est là. Il faut qu'à clôturer quand même. Allô? Allô? Aura... Oui, bon, c'est comme on disait, Doudou Gaga avait coupé son courant. Bon, qu'est-ce que tu veux? Il fallait se mettre au groupe pour que l'Internet refonctionne. Donc, je disais que c'est question de bon sens. Oui. Tout à la Kamakamu Mabete, tous en haut bien, tous en famille. Une homélie ne peut pas être dite dans la rue. Il y a une messe prévue pour ça. Mais les gens ont responsabilité. Et ceci partout ne suscite plus le débat à l'interne. Donc, Ngaï, Nalobi Nangaï Kakali Kambo simple. Oui. S'il faut ramener le président, il y a des préalables à ça, mais nous sommes ses soutiens conditionnels. Je vais le soutenir et après, je lui dirai que, monsieur le président, je me retire de la politique. Continue avec tes amis, avec tes gens. J'ai beaucoup de livres à écrire. J'ai beaucoup de choses à écrire. Donc, je vais consacrer ce temps-là pour mes enfants. Accompagner mes enfants, écrire mes livres, vivre de ces livres-là. Je ne veux plus faire de la politique. Je ne veux plus faire de la politique. Moi, je ne suis pas comme les gens qui font le retour par le pédalage. Puisque je ne peux pas aller contre le président, je me retire de la politique. Le jour où il sera plus, je reviendrai en politique parce que mes convictions m'interdisent d'aller contre lui. Est-ce que c'est clair? Oui, on a compris. Bien. Donc, qu'on ne me juge plus comme un homme politique, je suis quelqu'un qui est en train d'aller petit à petit finir son mandat. Comme vous faites trop bien les choses, nous allons nous retirer. Vous allez continuer. Nous, on va vous entendre de loin. Mais ce qui est sûr, personne ne viendra me demander les comptes parce que je n'étais en aucun cas en responsabilité quelque part. Donc, je ne serai pas comptable.
Si, quand même, un peu comptable. Un peu comptable. Non. J'ai pioché cette réflexion chez Macron. Quand il commence avec son parti, EM, En Marche. On lui pose la question, mais tu as été longtemps conseiller de ces gens-là et ministre de sur quoi? Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu veux te départir et dire que, machin, tu n'es pas comptable, dis chacun de nous sa responsabilité. Posez-moi la question sur ce que j'avais en charge et je vous répondrai. Mais ne venez pas généraliser les choses. Et moi, j'ai pris cet argumentaire-là. J'ai compris qu'on peut s'extraire. Bon, d'un pour terminer, lorsque on peut avoir, tu n'as pas été... Pour terminer, on peut avoir une question plus ou moins légère, Soko Lingi, pour que ça aide détendre Nani Bissotou avant de se séparer. On a entendu beaucoup de choses. Merci en tout cas. Moi, je vous remercie et surtout pour votre franchise, le verbe. Mais bon, ngana kansa kon ngao bimi parce que ngana tanga ki ba dictionnaire pe belé, na ba ko zero bimi sanga ba moi. Na penga ki na zongi sa yango. Mais j'ai attendu ces IP migité. Bon, ba lobi na ngai bo IP. Ba lobi que oh ben il devait moani il parle mais c'est parce qu'il a faim, il pleure. Un an sans salaire, il n'a plus de revenus. Bananaya zo lembaka ko futaka bango l'école. Yangwana lelo akomo fongola monoko depuis kalawana azalaki wapi. Azalaki wapi na bako lobate pourquoi seulement maintenant. Donc lobala biso ezali nzala, nzala moto tinyo. Moi ça c'est des petites questions, faut deux fois faire l'économie de ton souffle mon cadet. Je te veux à un niveau plus haut. J'ai dit que les gens qui disent ça, c'est un brouhaha, c'est pas réfléchi. Faut leur dire, je n'ai même pas le temps de perdre ma salive pour répondre à ce genre d'insanité, hein, qu'ils essaient un peu de se lever haut. Mais moi, mes enfants, quand je les mettais au monde, c'est quelqu'un qui m'aide à les concevoir, à les construire. Donc, il faut être bête pour réfléchir comme ça. Dis-leur, hein. Il faut leur dire, il y a longtemps, ils ont entretenu la bêtise sur la toile. Parce que les gens partaient dans le sens de leur bêtise. Mais depuis un moment, le recadrage veut que ne vienne parler sur la toile que celui-là qui sait de quoi il parle. Je ne suis pas ici en train de prester sur une éventuelle émission sur la sémantique ou machin, je ne suis pas en train de me plaindre. La plainte est où? J'ai dit quelque chose et les propos qu'il parle là, de mes enfants, je les ai... Ah, Batouba Maïe, le type, ou Batouba, comme ils sont pas voyés, Ninika. Mais j'ai bien dit que l'illustration était le support d'un raisonnement. J'ai cité mes enfants à titre illustratif pour démontrer combien, malgré les difficultés, nous tenons droit. Regarde-moi, c'est parce que tu caches leur nom. Si tu m'avais donné leur nom, ils savent comment je suis sur la toile. Mais attends. Donc ça, c'est les gens qui te donnent les questions. Non. Il faut les dire, écoute. Écoute, circonscris bien tes questions, ils rejettent ce qui n'en vaut pas la peine. Ça, c'est quoi ça? Question légère, La zone écoute-moi, voilà. Je fais partie d'une génération des Congolais qui ont d'abord, quand vous vous habillez là, tu portes les trucs, tu dis, que de Courbevoie. Parce que nous avons fait la promotion de cette histoire-là. On a fait la promotion de la SAP. Ici, là, nous, on ne chassait pas les porc-épics, mais on apprenait à s'habiller, on faisait les booms. Et moi, j'étais parmi, mais ils ne sont pas morts. La génération 79-80 va te dire qu'il devait c'était un boudin. Je parle là sous le contrôle d'Olivier Ndoumou, de beaucoup de gens, de Paco Rabanne, tout ça, ils sont nombreux, les Guy Tabazon. Donc, nous, on a boudé. C'est pas que quand tu boudes, tu es énervé. Non, c'est juste la gestuelle. Ne prenez pas mal par l'expression que dégage mon truc. Toi, tu fais journalisme, non? Oui. Est-ce que tu peux aujourd'hui ici, devant les gens-là, leur faire la différence entre le pathos et l'athos? L'action, l'expression du visage et la gestuelle, le pathos et l'athos, mais c'est tout ça.
Je ne m'énerve pas, mais tu es journaliste. C'est des trucs que tu devais comprendre depuis. Je vous ai dit, comme je dis à tous, faites attention. Quand vous voulez m'avoir devant vos plateaux, je viendrai à la fin du mois. Je viendrai. Quand vous allez m'avoir, circonscrivez bien vos sujets, vos dossiers, vos questions. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui verse dans la même poubelle que tout le monde. Donc là, lorsqu'il faut... Aujourd'hui, vous avez lâché l'EP52. Lorsqu'il faut faire de la masturbation intellectuelle, il faut s'armer en face. Parce que ça fuse. Hein? Je suis formé. C'est votre séquence, allez-y. J'ai fait partie de plusieurs cercles de réflexion. J'ai appris auprès de sachants. Donc, tout circonscrit. Zabi Sabaou, Benouan à moi niveau. Ne venez pas avec vos trucs de quartier là, venez parler maintenant. Donc, moi, je n'ai rien d'autre à faire. C'est parce que je m'étais interdit depuis ma consécration à la notabilité. Je suis interdit d'aller dans les cafés ou quoi. Mais sinon. Je peux un samedi comme ça, je peux mettre une chemise, je vais boire quelque part à Bakongo comme j'aime bien Bakongo et puis ça. Alors, comprenez que quand j'accorde l'importance parce que je t'avais écrit, je t'avais dit que procrastination s'imposait. Oui. Bon, maintenant après, tu avais déjà fait la publicité, tout ça, par respect de ta personne. Je dis bien, par respect de ta personne pour que tu ne sois pas couvert de ridicule. J'ai accepté, mais parlons de l'essentiel, on a fait le tour. Mais laisse Babizo, Baba voir n'a pas question, je ne verse pas dans la même poubelle qu'eux. Dis-leur ça au moins. D'accord, j'ai vu aujourd'hui, vous avez lâché les B52 en les traitant de villageois, mais intelligemment, et que toi, tu ne chassais pas les gibiers. Écoute. Il faut aller jusqu'à la lit des choses pour la compréhension. Je dis que nous, à Brazzaville, on faisait les booms, les défis, les boudes. Voilà. D'accord? Les gens qui étaient au village, à Luingi ou quoi, au village. Voilà, c'est ça. Ils avaient d'autres activités. Merci. La chasse au porc-épic, la pêche, voilà. Donc, on ne peut pas nier ça. Est-ce que si je dis ça, je mens? Non. Mais Brazzaville avait une spécificité, c'était la SAP, les booms, les machins. Hein? Mais pourquoi les gens aiment toujours la polémique pour polémique? Je ne suis pas un homme de polémique. Donc, ce que je dis, est-ce qu'à Brazzaville, dans les années 78, disons même 76, les vieux, nous avons des grands, les Colors, Mkwelani, les Jean-Marc Aloni, ils sont venus en France dans quelle année? C'est dans les années 74, 76. Mais ils sont allés avec quel esprit? Mais ils ont laissé les mouvements de boom ici. Donc, je n'invente pas. C'est parce que les gens ne réfléchissent plus. Nous, les Brazzavillois, normalement, nous, les acteurs politiques brazzavillois, devraient se réunir et commencer à créer une plateforme pour essayer aussi de faire bloc. Regardez Sarkozy. Sarkozy est venu au pouvoir parce qu'il a brisé les mythes. Parce qu'entouré des Parisiens, des gens avec lesquels il partait dans les boîtes de nuit, machin, qui l'ont accompagné. Et dire ça, c'est pas mauvais, je suis né à Brazzaville. Merci. Mais ma mère est née au village. Merci. Ma mère est née au village. C'est pas insultant, mais c'est la vie de chaque village. Je ne fais pas de fixation. Merci. Dis-moi un peu, les gens qui sont à Kimongo, ils peuvent faire les booms. Ou les gens qui sont à Boignola, ils peuvent faire les booms, mais soyez sérieux. On a compris que vous êtes un grand boudeur, on l'a compris. Alors, donc, ce que je voulais tout simplement dire, merci. C'est la même boude que je transpose ici en politique. D'accord. C'est pas la magie. Je voulais vous accorder une minute et demie, pas plus. Moi, je sais que vous, une minute et demie pour le mot de la fin, puisque vous êtes l'invité. Merci d'être venu aussi. Bon, l'ikamboya, malam nga la zoke nesat, nga lingili patwe la kepa nanga ite. Moi, j'avais des problèmes de connexion. Dès qu'Adou Gangala m'a sauvé la peau là, à 4 heures connexion, et c'est Pélissin Gaïmigi quand même. Bon, vous avez le mot. C'était une boutade hein, pour détendre un peu l'atmosphère. Une minute et demie, le mot de la fin. Tout ce que je demande aux gens,
qui se sont peut-être vus heurtés par ce qui a été subtilisé dans mon salon. Je leur dis tout simplement que je suis le premier à m'indigner contre ce genre de pratique et ce n'était pas ma volonté de rendre ça public. C'était une causerie comme tout le monde parle dans son salon. Mais c'est plutôt le comportement après de ceux-là qui sont allés sur la toile qui m'a poussé un peu à faire ce recadrage. Mais après ce recadrage, bon, c'est toi qui as voulu qu'on parle. Bon, je ne savais pas que tu avais déjà fait les annonces, mais par respect à ta personne, mes conseillers, ils sont là. Je ne suis pas quelqu'un qui sort les énormités. Ils m'ont dit, il faut le respecter. Il a déjà fait la pub. Il ne va pas parler chinois. Il va parler une langue dont tu as la maîtrise. Bon, vas-y avec lui. Et il comprend ce que... Bon, je voulais t'accorder 15 minutes, mais regarde, tellement que c'était succulent. On est allé plus loin, on a fait le tour. Mais cela n'empêche que d'ici peut-être la fin du mois, je vienne sur votre tribune pour parler un peu de la politique en général et sortir un peu de ce que les gens veulent maintenant me scotcher là, la fixation sur la sécurité. Je sais que dans ce pays, les gens n'aiment pas entendre certaines vérités. Mais en tout cas, pour leur amitié, faut que tu essaies de leur dire qu'ils comprennent. Je ne force pas d'amitié. Je n'ai pas d'amis. J'ai des connaissances. Je n'aime pas les amis. Donc, je ne force aucune amitié. Je ne cherche pas aussi qu'on puisse m'aimer. Je vis avec ceux dont la franchise nous permet d'évoluer ensemble. Les fourbes et les hypocrites, je n'ai pas à les gérer. En tout cas, j'ai pas le temps. Merci, mais que le monde comprenne que c'est pas moi qui ai mis ça sur les réseaux. On m'a forcé de revenir sur les réseaux. Donc, que les gens m'en excusent. Je suis quelqu'un de très lucide. J'ai des liens avec certains de parenté. Donc, je ne peux pas, moi, venir les attaquer. Mais je dis tout simplement, c'est pas eux que j'attaque. Je dis, arrangeant, réglons le problème de la sécurité. Donc, j'ai dit ça et je remercie, je souhaite bon week-end à tout le monde. Je remercie Ziana TV, toi-même y compris, pour ton courage, hein, parce qu'il faut être courageux aussi pour m'inviter comme ça. Et bon, j'apprécie ton courage. Ellie Smith, qui n'était pas congolais, il peut te suivre. Est venu me chercher en amitié parce que il m'a dit qu'il a interviewé les gens dans le monde, mais j'étais spécial. Donc quand on parle, on ne dit pas tout. Hein? Vous savez que par l'infidélité de notre mémoire, il est toujours difficile de dire tout ce qu'on sait. Mais on sait, on essaie de dire ce qu'on connaît. Donc excusez-moi encore une fois de plus. Bonne journée et bon week-end, le duc de Courbevoie. Le comte. Mes salutations à mon grand frère et conseiller Jean-Marc Aloni, à Pif, la famille, à Nokokoumou, à tous ceux qui se reconnaîtront par ma voix. Je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un homme de polémique. C'est quelque chose qui est arrivé et qui avait besoin d'être explicité. Donc, tel que c'est fait, je pense qu'on a dissipé, le doute qui pouvait alimenter le malentendu et risquer de donner l'espace au sous-entendu. J'ai dit. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il faut remercier aussi à tous les internautes qui étaient là présents. Merci pour votre fidélité. Vous étiez nombreux, plus que nombreux. On a presque cassé la baraque. Bon, on n'a pas atteint les,
5000 connectés ont été pratiquement à 4900 personnes connectées. Je crois que c'est votre meilleure prestation en vue d'Audimat, on peut le dire, toutes chaînes confondues, honorable Mohani. Donc, il faut venir sur Ziana TV pour avoir cet Audimat. Merci beaucoup à tous nos amis, les fidèles de la chaîne Ziana TV. Merci. On se retrouve, comme je vous ai dit, demain dans le 17h dimanche. Bon, les gens de 17h dimanche qui aimeraient avoir l'honorable Mohani, on va essayer de régler ça en aparté. Et puis, lundi, dans la matinale, très tôt, 7h, heure de Paris, 7h, heure de Brazzaville. On ne reste plus qu'à vous souhaiter un excellent samedi pour ce qui reste du samedi. Allez, à très bientôt. Au revoir.